Mesdames et messieurs, bonsoir. Où que vous soyez, derrière vos écrans, derrière vos téléphones, vos iPads et autres moyens de vous connecter à nous, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette superbe soirée d'Eloquentia Bruxelles pour ces quarts de finale et cette première compétition en post-confinement et donc sans public. Sans public, mais avec un jury extrêmement chargé, avec aussi vous, un public virtuel qui allez pouvoir participer. Vous allez voir comment. Alors pour cette soirée, ben d'abord, je vais vous parler d'Eloquentia. C'est quoi Eloquentia ? Eloquentia, c'est un concours de prise de parole qui s'adresse à des jeunes de 17 à 25 ans. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes bruxellois ou des alentours de Bruxelles qui vont s'affronter et qui vont nous montrer que la parole, ça peut libérer. La parole, ça permet de prendre sa place. Avec la parole, il est possible d'être à la fois pertinent, percutant, intelligent, décalé, mais surtout, il est possible de nous faire grandir. Alors, Eloquentia, c'est une prise de parole qui est un peu particulière, parce que ces jeunes, on leur a demandé de s'exprimer sur des questions. Tout au long de la soirée, ces questions, eh bien, ils vont devoir explorer la position pour et la position contre. Ce sont des positions assumées, ils sont là pour débattre l'un contre l'autre, et nous, nous sommes là pour en profiter. Alors attention, comme c'est un concours, il y a un jury. Et à la fin de la soirée, ce jury devra déterminer qui de nos 9 candidats, car il y en a 9, qui de nos 9 candidats pourra passer en demi-finale. Alors, comment le jury va-t-il décider ? Eh bien, dans les 5 joutes qui vont se succéder, il n'y aura pas forcément un gagnant et un perdant. Pour chacune de ces joutes, on va avoir les 2 concurrents, et à la fin de la soirée seulement, le jury se retirera et nous dira qui des 9, quels seront les 6 qui auront la chance d'aller en demi-finale. Mais donc, cette tâche difficile, et je les regarde en le disant, qui incombe au jury parce que à la fin de la soirée, je suis sûr que nos 9 candidats seront extrêmement brillants et que nous les maudirons pour en écarter 3. Mais comment ce jury a été composé? Quelles sont les qualités qu'ils vont déployer pour arriver à juger de la pertinence de nos jeunes arguments? Bien, pour vous le présenter, je vais commencer par Laurence Bibot, qui est une femme de scène, élégante, drôle et émouvante, qui a cette magie pour jouer avec le public et qui aujourd'hui sera donc dans un rôle inversé, parce que plutôt que de jouer avec le public, elle va devoir commenter ceux qui essayeront de le faire à travers les écrans. Pour épauler Laurence Bibot, nous avons Gilles Dall, il a de multiples casquettes, il est chroniqueur à la RTBF, il est scénariste de bande dessinée, prof à l'IEX, il a écrit des ouvrages d'histoire notamment, et ces différentes casquettes seront certainement très utiles pour pouvoir apprécier la variété des arguments qui seront proposés par nos jeunes. Troisième membre du jury, Fatima Zibou. Politologue, qui est spécialisée en droits humains, qui est chercheuse et surtout engagée pour de multiples causes. Et ces multiples causes, je l'espère, l'aideront à apprécier la variété à la fois des concurrents et des idées qu'ils vont partager. Et puis, Ilias Métioui, qui est un homme d'une sensibilité assumée, qui peut apprécier à la fois la singularité des êtres et la complexité des discours, et qui va donc mettre ses regards très très importants au service de l'appréciation de nos jeunes concurrents. Et enfin, pour présider ce jury, nous avons John Pitsays, qui est un habitué d'Eloquentia, qui jouera le rôle de président du jury, et qui est aussi un théoricien de la démocratie, en tant que philosophe, en tant que juriste, et un grand amateur des débats et des images originales et variées qui permettent de mettre cette démocratie en musique et en joute. Alors, le jury, bien sûr, aura à déterminer quels seront les vainqueurs de ce soir, quels seront ceux qui seront salués par le public, mais pas forcément en demi-finale. De votre côté, cher public, nous attendons de votre part eh bien, que vous participiez sur le chat de la page Facebook. On vous propose, tout au long de la soirée, de poser vos questions, de mettre vos commentaires, d'interpeller les concurrents. Et au moment où le jury se retirera pour délibérer, nous aurons l'occasion, en backstage, de reprendre vos questions et simplement de les confronter à l'avis des concurrents lorsqu'ils attendront les décisions. Mais sans plus attendre, nous allons passer
à la première joute. Cette première joute nous parle d'un sujet qui est à la fois universel et qui est extrêmement d'actualité. Je parle de l'égalité. L'égalité, cette valeur de la démocratie, cette question aussi, est-ce vraiment quelque chose qui existe dans notre système ? Pour en débattre, eh bien, nous allons accueillir deux concurrents. Le premier, c'est Ruslan. Ruslan, qui vient à la fois de Scarbec et des Verts. Ruslan, qui est à la fois polyglotte et amoureux des mots. Chez lui, l'humour et les idées se mélangent pour donner des arguments on ne peut plus percutants. Et Ruslan défendra la position pour de cette question. L'égalité a-t-elle ses chances ? Lui nous répondra oui. Face à Ruslan, nous aurons Soraya. Et Soraya, c'est une passionnée d'Eloquentia. Depuis le début du concours à Bruxelles, elle s'est impliquée, elle le suit, elle a attendu son moment pour se lancer. Elle sait utiliser la rime des mots pour appuyer la force des arguments. Et sa position à elle sera « Non, l'égalité n'a pas ses chances ». Je leur laisse la place, mais avant ça, quoi de mieux qu'une petite présentation en images de ces deux concurrents. Nous leur avons demandé de faire une petite vidéo de 30 secondes avec un exercice tout simple, y placer un certain nombre de mots qui étaient imposés. Et donc, chers amis derrière vos écrans, dans le chat, n'hésitez pas à essayer de repérer ces mots qui sont imposés, qui ont été mis dans les 30 secondes de la vidéo et qui vont nous permettre de mettre un peu de piment dans cette présentation. Encore merci pour votre présence et profitons de cette belle soirée. Bonsoir à tous, je m'appelle Ruslan Toktakunov, j'ai 25 ans et je suis étudiant en interprétation de conférences à l'UCL. J'ai décidé de participer au concours Eloquentia parce que j'adore communiquer et transmettre mes idées. Je voue un amour inconditionnel à la langue française. Pour moi, chaque mot, aussi truculent soit-il, a son importance. Le concours Eloquentia s'apparente à un plongeon dans l'inconnu, un cap que je vous invite toutes et tous à franchir l'année prochaine. Merci de votre attention et bonne soirée. Quand j'étais enfant, ma matière préférée était les mathématiques. Et pour cause, mon professeur, M. Olivier, avait pour coutume de nous offrir un fruitella à chaque fois que nous trouvions la bonne réponse. Réussir à trouver ce qui se cachait derrière le signe égal me rendait euphorique. C'est dire à quel point l'idée d'égalité m'était déjà sympathique. Une dizaine d'années plus tard, une autre professeure, Mme Delot, une autre matière, le français, m'a appris à définir les concepts lorsque je rédigeais une dissertation. Alors, commençons. Que recouvre le terme « égalité » ? En droit, l'égalité implique le rapport entre citoyens soumis aux mêmes obligations. Dans un match de foot, il n'est pas rare que la dispute se solde par une égalité, également appelée « match nul ». Enfin, en féru linguiste que je suis, je ne peux que constater que l'égalité se donne toutes les chances d'habiter notre quotidien, puisqu'elle s'y exprime par des mots aussi courants que « aussi »,« comme », »,« même » ou « autant ». Mais avoir ces chances n'est pas qu'une question de mots. Il s'agit que ceux-ci soient suivis par des actes. Comme lorsqu'un de mes potes, un soir d'hiver, me confia que j'avais toutes mes chances de conclure sur le coin du bar de cette boîte de nuit. Mes probabilités de réussir étaient en fait assez faibles. Et si j'avais déjà eu la chance de rentrer dans ce lieu hype malgré ma peau bronzée, je n'avais pas eu celle de téléphoner ensuite à la belle qu'il m'avait désignée. Alors, l'égalité a-t-elle ses chances ? Oui, assurément. D'un point de vue métaphysique, nous naissons et nous mourrons un jour ou l'autre. C'est-à-dire que face au sort égal qui nous attend, face à notre commune mortalité, nous avons tous 100% de chances de réussir à mourir. Car dans tout berceau germe une tombe. Hugo, Victor de son prénom. L'égalité a ses chances, et en plus, personne ne peut en oublier les victoires. Regardons notre histoire. 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1er.
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Ces mots-là n'étaient pas que couchés sur du papier, car ensuite, les acquis sociaux furent nombreux. Les congés pour les travailleurs, le droit de vote pour les femmes, le mariage homosexuel, l'abolition de l'esclavagisme et de l'apartheid, tous estampillés « égalité ». L'égalité avait le vent en poupe, au point que certaines nations en ont même fait une norme de société. L'égalité triomphera en tuant toute opposition. On sera égaux ou on ne sera pas. Пролетарии всех наций, соединяйтесь. On y a cru, le temps d'un instant seulement. Car c'était sans compter que cette valeur d'égalité requérait une dose nécessaire de liberté. Oui, l'égalité a ses chances, mais pour y arriver, il est préférable qu'elle soit toujours accompagnée. Plus que cela, l'égalité a ses chances, mais il ne faut pas le dire trop fort. Lorsque l'égalité est criée, elle s'emballe, et dans son élan, s'arrête difficilement avant de remplacer une inégalité par une autre. Pour parvenir à ses fins, l'égalité ne peut être un slogan. Elle est faite de mots que l'on murmure, que l'on susurre comme une force tranquille qui permet d'avancer. L'égalité est une promesse qui nous est faite sans certitude, une promesse fébrile que l'on attend de voir éclore en toute humilité. L'égalité a donc ses chances, mais ne le crions pas intempestivement sur tous les toits. Gardons-la comme objectif vers lequel tendre sans jamais la prendre pour acquise. Après tout, un objectif atteint est un objectif pour lequel nous ne nous battons plus. En d'autres mots, un objectif qui n'existe plus. L'égalité doit se présenter comme le phare qui éclaire les différents sentiers que nous empruntons au cours de notre vie. L'égalité a-t-elle ses chances ? Oui, mais ne le dites pas à tout le monde. Ne le confiez pas à ceux qui sont confortablement installés sur leur trône de privilège. Il risquerait de saboter tous nos efforts. L'égalité a-t-elle ses chances ? Oui, mais n'inondez pas ceux qui s'insurgent dans les rues, ceux qui ont besoin d'inégalité comme d'un carburant pour défendre les causes qui leur sont chères. L'égalité a-t-elle ses chances ? Oui, mais ne le répétez pas trop à des gens comme moi. Je ne suis pas encore prêt à l'entendre. Comprenez-moi, aussi ridicule que cela puisse paraître, j'ai encore besoin de la médaille du mérite, que l'on promet comme une carotte que l'on agite à des pauvres bougres comme moi. En attendant que je sois prêt, parlez-moi de mérite, de cette fierté d'être arrivé jusqu'ici, malgré mon parcours quelque peu atypique. Et lorsque je serai réconcilié avec les inégalités du passé, lorsque la revanche aura fait place à la tempérance, alors je serai prêt, en toute humilité, à murmurer les vertus de l'égalité. Je pourrais alors dire que, en tant que concours, Eloquentia Bruxelles fait certes la part belle à l'inégalité, puisqu'il s'agit à chaque fois de désigner les vaincus et ceux qui recevront les lauriers. Trois d'entre nous vont quitter l'aventure ce soir. Ce sera plus cruel que la défaite de Claude à la finale de Koh-Lanta ou de terminer deuxième sur Call of Duty Warzone. Mais au-delà du drame qui va se jouer, Eloquentia Bruxelles fait surtout la courte échelle à l'égalité. Par une drôle d'alchimie faite de formation, de dépassement, de camaraderie et d'éclosion des talents, Eloquentia nous souffle des moments d'égalité arrêtés dans le temps, avec 9 jeunes tellement différents, mais placés sur une même scène, avec les mêmes chances, le même temps de parole et le même objectif, vous convaincre. Alors, l'égalité a-t-elle ses chances ? Non, peut-être. Merci. À travers mon éloquence, je m'ouvre à vous comme un livre. À l'aube de mes confidences, je vous présente mon pupitre. À mon réveil, j'ai besoin d'une pause et j'aime les siestes avant de dormir. Le seul moment où je me repose, c'est dans l'aspérité de ma prose. Je suis passionnée, je suis convaincue, je ne m'avoue que rarement vaincue. Et chaque étape d'éloquentia est une marche sur mon escalier de la réussite. La réussite étant
casser tous les préjugés implicites. Je m'appelle Soraya, j'ai 19 ans, j'étudie la science politique. Vous n'aurez lu que la première page, mais c'est la fin de cette incipit. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En effet, j'ai entendu parler de cette théorie. Pas besoin de vous expliquer à quel point c'était horrible de me rendre compte que ça n'en était qu'une. L'égalité n'a pas ses chances, et c'est parfois une malchance. Cela amène à des doléances et à des déchéances. L'égalité n'a pas ses chances, et c'est parfois une bienséance. Mais dans tous les cas, c'est une évidence. L'égalité n'a pas ses chances. Rousseau considérait deux types d'inégalités. Une physique et une autre contextuelle ou politique. La première est du fait de la nature. Nous sommes tous conscients ici d'être inégaux sur certains points. Il est certain que mon point vous fera moins souffrir que celui de cet homme brun à qui il vaut mieux sourire. Une deuxième forme d'inégalité, peut-être un peu plus indépassable que la première, est l'inégalité politique. Certains tentent de faire passer des inégalités politiques pour des inégalités physiques. Exemple, je suis un homme noir qui se balade aux États-Unis. Je me fais contrôler. J'ai 2,5 fois plus de chances de me faire tuer par la police que si j'étais un homme blanc. Être noir n'est pas une inégalité physique, puisque l'inégalité physique découle d'une faiblesse physique. Cela devient une inégalité puisqu'on l'a instaurée. C'est une inégalité politique. Aujourd'hui, plus besoin de faire semblant. Il y a du sang blanc, il y a du sang noir, il y a des mélanges. Difficile pour certains d'envisager l'égalité quand, dès notre naissance, c'est cette différence qui définit notre chance. Sur ce point-là, au moins aujourd'hui, l'égalité n'a pas ses chances. Nous pouvons alors commencer par cette base commune. Pas besoin d'essayer d'éteindre une réalité qui peut nous atteindre, même si certains tentent de l'atteindre en rose, ça finit toujours par déteindre. Certains diront. Ayons confiance en la nation, calmons simplement les passions et on surmontera les factions. Pour moi, c'est presque de la fiction. Un monde où nous sommes tous égaux et où on surpasse nos égaux. Mais soit, si l'égalité au départ n'existe pas, a-t-elle néanmoins ses chances de faire ses premiers pas ? L'inégalité apparaît lorsqu'un groupe a la possibilité de soumettre un autre groupe. Par la force, l'argent, les armes, le pouvoir. On a vu par exemple le colonialisme, l'esclavagisme ou autre. Ou une forme de domination encore plus subtile, celle de la majorité. Et c'est pour ça que les minorités sont souvent persécutées, elles se font percer au couteau, parfois c'est pire, mais c'est toujours trop. Ces formes de domination dominent l'esprit de toute nation, toujours reproduites dans l'histoire, sombres produits, prémonitoires. Elles nous apprennent cette déception. L'égalité, c'est l'exception. Dans cette première dimension de ma réflexion, il vous paraîtra pessimiste que je vous réponde non. L'égalité a-t-elle ses chances ? Il est intéressant de souligner que l'égalité des uns peut créer l'iniquité des autres. Dans cette seconde dimension de ma réflexion, il vous paraîtra optimiste que je vous réponde non. Taxer à tous les citoyens la même somme, quel que soit leur revenu, c'est l'égalité. Supprimer la priorité des places assises aux personnes les plus fragiles dans les transports, ça aussi c'est l'égalité. L'égalité n'est pas forcément juste. L'égalité est juste si tous les individus ont les mêmes capacités et les mêmes besoins. Ce n'est pas toujours le cas. Je suis capable de vous citer un exemple. Croyez-moi, quand on me demandait au collège d'avoir les mêmes capacités physiques avec mon asthme et mes jambes mal accordées que d'autres ont de bien meilleures capacités, j'espérais fortement que l'égalité n'ait plus ses chances. Avec ça et mon sens des directions, vous croyez vraiment que j'avais une chance en course de l'orientation ? Dans une société juste, dans un état providence, écarter parfois l'égalité, c'est donner à l'équité ses chances. John Rawls considérait que la meilleure façon de créer une société juste était de faire une expérience mentale. C'est ce qu'il appelle la position d'origine ou le voile d'ignorance. Vous allez tous reproduire cette expérience. Et si vous croyez en l'état providence, vous verrez que de ce point de vue aussi, l'égalité n'a pas ses chances. Je vous demande à tous de fermer les yeux. Vous, honorable sujet,
vivez hors de la communauté et décidez de faire société. Vous ne connaissez pas votre position dans cette future société, d'où le voile d'ignorance, et vous devez en décider les règles. Vous ne savez pas si vous êtes noir ou blanc, un homme ou une femme, athée ou religieux. Je vous laisse y réfléchir. Et normalement, les règles qui vous viennent en tête doivent répondre à une certaine logique. Ne sachant pas si vous êtes en haut ou en bas de l'échelle, au Bangladesh ou au bord des Seychelles, ne sachant pas si vous avez décroché le trophée, ne vaut-il pas mieux avoir fait le pari de l'équité plutôt que celui de l'égalité? Vous pouvez ouvrir les yeux. Rose considérait que ce voile d'ignorance va vous pousser à accepter l'inégalité si elle est en faveur des plus défavorisés. Nous avons repris certains principes de là, sinon nous aurions encore plus de personnes qui meurent de faim, avec pour seule finalité le principe d'égalité. On se trouve alors chanceux de voir que l'égalité n'a pas ses chances. En effet, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas semblables, mais comme les pièces d'un puzzle, nous sommes pourtant assemblables. On peut, certes, oublier l'égalité, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, mais je vous laisse avec un espoir d'équité qu'il nous reste à accomplir. Eh bien voilà, après ces deux premiers concurrents et cette première joute, eh bien, vous en avez déjà plein les yeux. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez apprécié le regard perçant de Ruslan, le regard pétillant de Soraya. Moi, j'ai surtout apprécié leur position. L'égalité, d'un côté, comme une recherche tout en humilité, quelque chose qu'il ne faut pas crier pour mieux conquérir. De l'autre côté, la crainte de l'égalité. L'idée que l'égalité fait des torts et que c'est plutôt l'équité qu'il faut chercher. Cette répartition équilibrée, d'une justesse toujours difficile à trouver, mais qui est sensiblement plus confortante, qui donne plus de place, selon Soraya, que l'égalité. Alors le jury est en train d'y réfléchir, ils vont continuer le reste de la soirée. En attendant, nous allons passer à la deuxième joute. Et cette deuxième joute, elle nous parle d'un sujet dont nous n'avons pas assez profité ces derniers mois. Je parle de la rue. Cette rue dans laquelle nous aurions voulu être plus souvent, eh bien, les concurrents vont se poser une question. C'est, est-ce que l'amour, il y court? L'amour court-il les rues? C'est la question de notre deuxième débat. Et pour nous en parler, nous avons donc deux nouveaux concurrents. La première, Élise, est la Benjamine de cette soirée. Elle a ce sens du dépassement, elle a cet amour des mots et ses fulgurances une fois qu'elle rentre dans la lumière. Elle a aussi ce sens de l'argument décalé, de l'argument surprenant, et elle défendra la position pour. Oui, l'amour court les rues. En face d'Élise, nous aurons Ounaïs. Ounaïs nous vient de Mons, c'est du monde du slam. C'est quelqu'un qui allie la rudesse et l'élégance et la sensibilité. C'est quelqu'un qui allie les rimes et l'engagement et qui a aussi ce sens de la position décalée. Alors, l'amour court-il les rues? D'abord Élise avec le pour et puis Ounaïs avec le contre vont tenter de nous convaincre. Et comme pour les candidats précédents, juste avant de les présenter, nous allons profiter d'une petite vidéo, 30 secondes, des mots imposés qu'ils ont été du coup invités à placer, et vous, cher public, vous êtes invités à essayer de les retrouver et à les partager sur le chat. Élise et Ounaïs, l'amour court-il les rues? Élise, un prénom tout en douceur, presque sans aspérité. Et pourtant, méfiez-vous du réveil de l'eau qui dort. J'ai une confidence à vous faire, je suis un moteur à explosion. L'incipit du livre de ma vie décrirait un escalier en colimaçon qui, tel un circuit, ferait découvrir une surprise à chaque virage. Pas de pause, tout se vit à 100 à l'heure, tel un amour inconditionnel. Aussi vivante que rêveuse, j'aime écouter les histoires que me chuchote le vent.
avec ses mots truculents, ses vérités parfois, ses carabistouilles souvent. Élise, pour vous servir. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? C'est l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse ? C'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda ? C'est l'amour. Ces paroles résonnent dans ma tête en sortant du train. Premier pas au sortir de la gare, je croise un paye qui dit « May, je t'aime ». Elle sourit. « Bruxelles, ma belle, tu m'avais manqué ». Je m'élance dans les ruelles de ma ville. L'amour y court partout et sous toutes ses formes. Tout dépend de l'éclairage que vous lui donnez. Mes pas me mènent dans une ruelle sombre. J'y distingue un homme. Il hurle à une femme « Je t'aime » tout en la giflant de toutes ses forces. J'ai le souffle court. J'accélère le pas et au détour d'une rue tombe sur une manifestation. Il est là, debout, fort et beau, lorsqu'il abat sa matraque sur ce manifestant. Je vois de l'amour dans les yeux de ce policier, dont chaque coup semble dire « Te faire mal, ça me fait du bien ». Amour à sens unique, amour vache, amour trash, amour dégueulasse. Mais je vous jure que lui, tapé, il aime ça. Les larmes ruissellent sur mes joues. Mes jambes me portent mécaniquement. Je débouche sur une petite place. Un rayon de soleil illumine un petit couple qui file le parfait amour sur son tandem. J'aperçois cet enfant qui court dans les bras de sa mère à la sortie de l'école. Je traverse un parc. Le teckel d'un bobo huclois renifle amoureusement l'arrière-train du pitbull d'un skinhead. J'imagine les deux chiens rêver que leurs maîtres finissent amoureusement enlacés à manger du quinoa bio en écoutant du Wagner. Je me reprends et sors du parc. Arrivée dans le quartier étudiant, je longe les terrasses, enfin ouvertes. Les gens se croisent, se sourient, s'attablent avec bonheur les uns avec les autres. J'ai presque envie de me blottir sous les selles poilues de cet inconnu en Marcel. J'ai dit presque. Aujourd'hui, l'amour est partout dans ma ville. Il repousse les limites du possible. Tout est envisageable. Aujourd'hui, dans la prochaine rue que je peux croiser Bart de Wever, transi d'amour hurlé, Wallonia. Mais une onmo fait le que lived. Où Raoul est debout, dans le parc, un genou à terre, demander au patron de l'AFEB de l'épouser. Arrêté devant un feu rouge, je vois cet homme sortir de chez un fleuriste, un énorme bouquet de roses à la main. Il a l'air heureux. Il a l'air amoureux. Je l'entends dire au téléphone, « Non, mon amour, je suis désolée. Je suis encore bloquée au travail toute la soirée. Je sais qu'il ment, mais je vois qu'il aime. » Plus loin, j'entends la conversation entre un fils et son père. Le père déverse sa logorée verbale sur le trop grand nombre de migrants. Il affirme qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Son fils lui répond qu'avec ses amis, ils ont hébergé des migrants dans leurs côtes, que ces migrants sont devenus ses amis. D'abord l'étonnement, et puis je décèle la fierté et l'amour dans le regard de ce père. Je longe les étangs, un homme dans l'eau crie qu'il aime le kayak. Un policier lui répond qu'il aimerait qu'il sorte. Les badauds ont l'air d'aimer cette scène. J'arrive sur un marché, j'aperçois un SDF assis sur les marches. Une femme, à l'air sévère, s'écarte en passant à côté de lui. Une autre achète deux baguettes et lui en donne une. Leurs regards se croisent et pétillent d'amour. J'arrive enfin place Poulart, devant ce mastodonte de pierre. J'entends une mère pleurer la mort de son fils, une autre pleurer l'emprisonnement du sien. La justice et l'amour
ont leur cécité en commun. C'est aussi ça qui rend la victime et l'auteur égaux devant ces deux institutions. Bruxelles, ma belle, tu es à l'image de l'amour. Tous les types s'y croisent et s'y entremêlent. Oui, l'amour court les rues. L'erreur serait de croire qu'il est unique. Au contraire, ma balade vous démontre qu'il est multiple. Amour pur, amour sincère, amour classe, amour vache, amour trash, amour dégueulasse. Mais ne vous y trompez pas. Il court les rues, il sillonne la ville et partout nous entoure. L'amour n'est pas et n'a jamais été unique. La seule règle en amour, c'est qu'il est enfant de Bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Merci. Je pense qu'on peut dire que je suis venu mouiller le maillot. À l'heure de l'écologie, je suis moi-même un hybride. Le fruit d'une union mixte, mes deux origines se marient si bien dans ce surnom qui n'est même pas le mien, Jean Rachid de Maupassant. En vrai, je m'appelle Ounaïs et j'ai 25 ans, ce qui est beaucoup moins drôle. Ingénieur de formation, je tente actuellement de résoudre l'équation de ma vie ou d'accomplir ma légende personnelle en fonction de vos références. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. T'es un cœur, t'es le meilleur, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. T'es trop beau, t'es trop chou, et ça me fait quelque chose. Quelle déclaration! Ça, c'est mon idéal. Avec ma future, c'est ce que je voudrais qu'elle me dise. Vous, par contre, vous ne m'avez encore rien dit. Pas une caresse, pas un geste, pas un compliment, pas de gêne. Je vais me sentir offensé. Ça fait 40 secondes que je suis là et personne dans le jury n'est encore tombé amoureux de moi. L'amour ne s'arrête-t-il pas à la rue de la loi? Comme ça, l'amour court dans les rues? Non. Si j'étais célibataire... Enfin, comme ça, l'amour court dans les rues. Si cela était facile, alors comment expliquez-vous mon célibat? Ou peut-être le vôtre, ou peut-être le leur. Chère Élise, je me dois de vous le dire, je suis presque déçu. Je pensais que vous alliez évoquer votre amour pour moi. Je m'imaginais déjà votre jeu à faire les yeux doux. Flatté, ça fait toujours plaisir d'être courtisé. Néanmoins, je suis loin des « je t'aime » au premier rendez-vous. L'amour, c'est pas un petit truc, hein. C'est pas un machin que l'on néglige comme ça, aussi inoffensif que la réception d'un colis chez Deliveroo. Pour ceux qui pensent que l'amour court les rues, vous êtes venus troquer la qualité amoureuse contre une quantité. Vous êtes venu troquer une qualité amoureuse contre une quantité. Vous êtes venu troquer une qualité amoureuse contre une quantité. Vous êtes venu troquer une qualité amoureuse contre une quantité. Vous êtes venu troquer la qualité amoureuse contre une quantité. Cupidon m'a confié. J'ai analysé votre foulée, elle n'est pas folle. Il a arqué son arc, il a ciblé la cible. Il m'a dit que l'amour ne se court pas, que lui-même avait des ailes dans le dos. Quelle est votre définition de l'amour? Car après le fils, j'invoque son père. Eros, le dieu de l'amour, m'a dit aussi, l'amour s'écrit avec un grand A. L'amour est certes universel, mais il n'est pas donné à tout le monde. L'univers conspire pour elle et que pour moi, il unit le tout vers elle, mais il ne faut pas confondre le crush et l'amour éternel. Du coup, pardonnez-moi,
En me baladant, je m'aperçois d'un lieu de passage en manque de lumière, une rue sombre, un défaut de lampadaire. L'amour, vous l'avez connu, on peut s'en apercevoir. Des nids de poules par-ci, des nids de poules par-là. C'est peut-être la déception qui parle, une description de l'amour filtrée aux larmes. Du coup, vous avez dame et votre rue, vous avez Carl et votre trottoir. L'amour, vous n'y croyez plus, une pâle copie en se regardant dans le miroir, pensant que devenir l'un des papillons que vous avez dans le ventre est la solution. Ce que je tente de vous dire, c'est qu'à chaque nouvelle rencontre amoureuse, vous avez forcément connu juste avant une déception. Et cette déception vous coûtera trop d'énergie. Ça se remarque, car le cœur se durcit. Il se pave de pierre une vraie armure. Moi, j'invite à donner du temps au temps. En amour, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce jour-là, il ou elle vous élèvera comme son Excalibur. En impliquant l'amour dans une course, vous la banalisez. Vous l'avez vu passer une seule fois dans la rue, vous vous êtes mis à le courser. Ensuite, vous avez été flashé. La police du destin vous a verbalisé. En effet, si le destin n'en veut pas, nous ne l'aurons pas. Nous avons beau courir à 100 à l'heure dans notre rue, appeler Usain Bolt pour qu'il nous porte, Elon Musk pour que ça décolle, au péage de l'amour, nous ne bougerons pas. En effet, ce n'est pas une course. D'ailleurs, je ne saurais même pas vous dire à quelle allure il faudrait la parcourir. Dieu merci, j'ai voyagé. Je vis ici, mais j'ai vécu des 6 mois à l'étranger. Canada, Malaisie, bref, des rues, j'en ai parcouru. J'ai rencontré Jean-Paul et Jacques, ou aussi Khadija, Trésor, Désiré et Julie. J'ai également parlé avec David, Moubarak et Yahya. Je me suis baladé dans les rencontres et j'ai parlé dans les rues. Mais monsieur Amour, inconnu, jamais vu. Et j'en ai la preuve, enfin, je suis formel. Les probabilités montrent qu'elle est vraiment très faible. Il n'y a que 5% de chances de rencontrer l'amour dans la rue, une étude prouvée par Statista Institute en 2018. L'étude nous montre également que 14% de chances, qu'il y a 14% de chances de rencontrer l'amour au bureau. Mais il n'y a que 5% de chances de rencontrer l'amour dans la rue. J'ai donc 3 fois plus de chances de rencontrer l'amour demain matin au bureau avec un œil à moitié ouvert plutôt que de jouer à cache-cache ce soir dans votre rue. En ce moment, aux yeux de tous, la rue est virulée par le Covid, la rue est boulonnée par ses décorations, la rue est surtout un lieu de manifestation. La cause est plus grave, la cause est loin d'être liée à l'amour, le ton est plus grave. Certains comme Adil, il a couru dans les rues et la mort l'a rencontré. Certains comme Floyd, on l'a couché sur la rue et la mort l'a rencontré. Ici, 2 exemples qui sont à couper le souffle. La rue s'éternit. Le lampadaire s'est éteint, les piafs croissent, c'est dit, la vie en rose n'est éternelle que dans ta chanson, Edith. Quand tu me prends dans tes bras, tu parles tout bas. Merci. Bonsoir à tous. C'est un petit peu particulier de se présenter à des personnes qu'on ne connaît pas. Eh bien, nous sortons donc de cette 2e joute. L'amour court-il les rues ? C'est le moment pour vous d'y penser. Et comme je vous l'ai dit en début de cette émission, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez adresser un message à nos candidats, c'est le moment de répondre en écrivant sur notre chat et ces questions leur seront relayées plus tard. Pendant que le jury réfléchit, et ancre ces arguments qu'on a eus de part et d'autre. Moi, je vous dis que j'ai vraiment apprécié la manière dont Élise nous a dit que l'amour n'était peut-être pas ce qu'on pensait, que même dans les pires comportements, on pouvait y voir quelque chose d'amoureux, critique, dégueulasse, mais où l'amour était présent, et nous emmener dans une sorte de promenade parmi les rues de la capitale, parmi les rues de ce post-confinement. En face, Ounaïs nous a proposé énormément de ce courage nécessaire lorsque l'on est sur scène et qu'on ne trouve plus les mots. Ça nous arrive à chacun et il a réussi à se relever, il a réussi à le partager et à nous transmettre cette idée tellement importante que l'amour, c'est plus exigeant que ça et que c'est certainement pas en courant qu'on le trouvera. Alors, cher jury, eh bien, ce sera à vous d'y réfléchir et de peut-être vous mettre d'accord avec votre vision de l'amour.
En attendant, nous allons sauter vers la troisième joute. Et cette troisième joute nous parle à nouveau d'un sujet qui est à la fois éternel et d'actualité. Ce sujet, c'est l'héritage. L'héritage que l'on peut avoir par rapport à ses parents, l'héritage que l'on peut avoir par rapport à son pays, l'héritage que l'on peut avoir par rapport à ce que les générations qui nous ont précédés, ces peuples, ont fait en positif comme en négatif. La question qui nous est proposée, c'est les peuples sont-ils responsables de leur histoire ? Et pour défendre l'affirmative, nous aurons Aslam. Aslam pour qui la parole est une musique. Il aime en jouer. Lorsqu'il chante, il est encore plus éloquent et il sait mettre la musique au service des idées. Aslam, qui sait aussi allier le plaisir, le fait de profiter du stress de la scène et le dépassement nécessaire pour nous proposer une très très belle envolée. Face à Aslam, nous aurons Josué. Et Josué, c'est un jouteur qui sait allier élégance, intelligence et humilité. Josué, il a cette particularité d'avoir à la fois la force de l'équilibre et la force des arguments en même temps. Alors, Aslam, qui nous défendra l'affirmative, oui, les peuples sont responsables de leur histoire. Josué, qui nous défendra l'opposition, non, ils ne le sont pas. Avant de les voir jouter, comme d'habitude, une petite vidéo de 30 secondes qui vous permettra peut-être de déceler les quelques mots que nous les avons obligés à placer. Bonsoir à tous, c'est un petit peu particulier de se présenter à des personnes qu'on ne connaît pas et surtout qu'on ne voit pas, mais en tout cas merci pour votre présence. En ce qui me concerne, je m'appelle Aslam, j'ai 23 ans, j'enseigne l'histoire, la géographie et les sciences sociales à Bruxelles. Je participe à Eloquentia un petit peu pour prendre une revanche sur l'enfance. Moi qui étais bègue, moi à qui on a interdit de parler plus d'une fois, je veux prouver que peu importe qui on est, on peut tous défendre ses combats, défendre ses valeurs et pour cela, j'espère vous convaincre. Belle soirée à tous. Les peuples sont-ils responsables de leur histoire ? Je ne vous cacherai pas qu'à la première lecture du sujet, colonisation, invasion, guerre sont les premières idées venues se heurter à mon esprit. J'espérais alors hériter de la position adverse pour clamer tout haut ces histoires horribles que l'on occulte tout bas. Dénoncer les inepties ou les amnésies des vainqueurs. Parler enfin des tuniques en sang, des mains coupées, de la dignité des peuples ôtés avec les hommes émasculés. Puisqu'il serait impossible d'affirmer que les peuples africains ou asiatiques ont accueilli la mission civilisatrice européenne de plein gré. Contant mon désarroi à mon père, il attire mon attention sur l'erreur que j'étais en train de faire. Réduire les peuples à leur condition de victimes, c'est leur faire offense une deuxième fois. Chaque peuple, gagnant ou perdant, dominé ou dominant, est responsable de son histoire. Et responsable ne veut pas forcément dire coupable. L'histoire est faite et défaite par les hommes. Nous sommes responsables de ce que nous sommes. Avant d'affirmer que la responsabilité de l'histoire d'un peuple lui incombe, il me paraît nécessaire de définir ce qu'il est. Et ce n'est pas une mince affaire. Entre ceux qui le méprisent ou l'infantilisent, le peuple n'a que trop souffert au cours de l'histoire de significations plus péjoratives les unes que les autres. Gueux, incapable de raisonner. Cette notion est souvent synonyme de stupidité. Mais comment oublier que ce que l'on dénigre, en fait, c'est nous. Que l'on soit comédien, enseignant, adepte des sciences politiques ou député, nous partageons tous une culture, des valeurs, une langue, formant un socle commun à la base même de la définition du peuple. Voilà ce que l'on est. Un ensemble d'artisans traçant les sillons du développement de leur patrie. Car oui, l'histoire ne fait rien comme le disait Karl Marx, c'est le peuple concret qui livre ses combats. Sartre viendra également nous confier que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Ainsi,
composé d'hommes, acteurs de leur histoire. Le peuple ne peut qu'en être responsable. Si vous avez du mal à me croire, rappelons-nous. Rappelons-nous de toutes ces révolutions menées à la force des bras, où les peuples ont abrogé un système afin d'embrasser leur souveraineté. Rappelons-nous du peuple éthiopien qui dès le départ, a refusé de courber l'échine face à l'arrivée des armées du Duce. Le sang des martyrs marquera l'histoire de l'Éthiopie, comme seule patrie africaine à n'avoir jamais été colonisée. Et le mérite revient autant à Haïlé Selassie qu'au peuple tout entier. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'affirmer que lorsque les événements lient le destin de deux peuples, la responsabilité est partagée. Si le Congo s'enrhume, c'est parce que la Belgique a éternué. Aujourd'hui, 60 ans que la République démocratique du Congo est indépendante, à l'instar de notre roi Philippe, dénonçons nos ombres du passé. Disons que Léopold II n'était pas qu'un roi bâtisseur, que les spectateurs belges de l'Expo 58 sont aussi responsables de la déshumanisation des enfants congolais. S'il y a bien une leçon à retenir de l'histoire, c'est que rien n'est figé. Algériens, Vietnamiens, Indiens ont lutté pour s'autodéterminer. Un peuple anéanti est capable de se relever. Regardez, des cendres de Hiroshima et Nagasaki, ils ont réussi à raviver la flamme du pays du soleil levant afin de lui donner une nouvelle aube. Décidé à être maître de son devenir, aujourd'hui, le peuple japonais est responsable de son essor. Alors cessons de nier la force de fer que l'on possède, de mettre en opposition peuple et politique, puisque je me permets de rappeler une évidence souvent oubliée. Nous vivons en démocratie. Nous vivons en démocratie où les peuples font les rois et où les rois sont faits pour le peuple. Le pouvoir est entre nos mains. C'est nous qui décidons, par nos voix, qui enlever ou placer sur les sièges d'argent de nos sociétés. Ce que l'on aime appeler élite émane du peuple souverain. En avoir peur, c'est un peu avoir peur de soi-même. Être responsable, c'est accepter l'imputabilité de nos fautes. Être responsable, c'est récupérer les rênes. Être responsable, c'est nous réconcilier. Et il est temps, grand temps de mobiliser ce que nous sommes, de nous servir de ce que nous avons au service de ce que nous voulons. Alors sortons en trombe, en nombre, déversons-nous en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes, au départ de simples gouttes, finir en marées humaines, pour apaiser leurs ombres, que l'on devienne leurs lanternes. Devenons cette lumière vive, rassurante, utile à la suite de l'histoire, notre histoire, celle que nous écrivons maintenant de nos propres doigts, celle que nous offrirons de ces mains tachées d'encre à ceux qui viendront nous voir dans 10 ans, ceux qui nous nommeront papa ou maman. Dépositaires des récits du passé, aujourd'hui nous sommes les auteurs du volume nouveau. Nous le léguerons à nos enfants et serons ainsi les seuls responsables des lignes qu'ils y liront. Choisissons quel mot employer, choisissons quelle direction leur donner, choisissons quel souvenir leur conter. Soyons conscients qu'à chaque instant passé, notre histoire se crée. Alors, la plume à la main, je vous le demande, qu'allons-nous graver ? Bonsoir, cher public. Je m'appelle Josué. 30, c'est le nombre de secondes qu'il m'a été alloué pour me présenter. Un peu court, vous conviendrez. Sans pause, donc, je le ferai. 22, c'est le nombre de printemps que j'ai eu la chance de traverser. Fort heureusement jusqu'ici, sans trop d'aspérité. 12, petite confidence, c'est le nombre de mots que l'on m'a demandé de placer dans ce truculent incipit. J'en ai mis que 5, ne m'en tenez pas rigueur. 5, comme mon chiffre préféré. 5, comme le nombre de mes frères et sœurs. Le temps pour moi va bientôt s'écouler, alors bonne joute et bonne soirée. Les peuples sont-ils responsables de leur histoire ? Il est 8 heures passées
Et la digestion, pour vous qui de vos foyers nous regardez, est sûrement déjà bien entamée. Vos estomacs réclament sujet plus léger ? Je vous apporte l'histoire, dans toute sa gravité, et avec elle la question de votre responsabilité. Oh, mes amis, j'espère que vous n'êtes pas rassasiés. Mais à l'heure où de plus en plus, le caractère sulfureux de personnalité de notre passé menace d'en faire tomber les statues. Statues, quand 140 caractères sans cesse nous postons, partageons et retweetons, au risque du débat, en polariser les positions, nous ne pouvions plus nous permettre d'éviter cette question. Mais si l'interrogation est légitime, et son affirmation, je le crois, pavée de bonnes intentions, elle ne saurait nous dispenser de faire preuve à son égard de beaucoup de justesse et surtout de précision. Car n'en déplaise à vos estomacs fatigués, il est ici question de choses sérieuses. Et la responsabilité historique des peuples, idée a priori séduisante, établie sans nuance, est une entreprise des plus périlleuses. Le risque, hélas, est celui de la mauvaise accusation, qui formulée promptement à des peuples pourtant renouvelés, entretiendrait en eux de tristes passions, tirant sans fin le rideau du ressentiment sur les maigres éclaircies qu'offrait pourtant l'horizon. Et les pétales de notre unité, si résilientes de détermination, une à une, seront soufflées par l'ouragan de la division. Non. Non, mes amis, et c'est là ma conviction. Les peuples ne sont pas responsables de leur histoire. Et s'il est préférable que nous gardions celle-ci en mémoire, envers l'innocent, elle ne pourrait servir de condamnation. Car oui, pour commencer, la responsabilité implique bien la condamnation. Tout à l'heure, je vous évoquais le besoin de précision. Il nous faut donc une définition. Selon le Robert, la responsabilité est l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, ou dans certains cas déterminé par la loi. Quelle faute ! Oh, quelle faute, mes amis, furent aujourd'hui commises par les peuples, innocents aux mains blanches, si ce n'est celle de descendre de coupables aux pieds noirs. Oserons-nous blâmer l'enfant pour l'exaction de son père et lui attribuer des péchés auxquels, vraisemblablement, il ne saurait adhérer. Quand on parle de crime contre l'humanité, il n'y a pas de filiation de la responsabilité. Et prendre le peuple pour un tout indifférencié serait alors un acte bien cavalier. Mon propos n'est pas de nier notre lien à l'histoire. Justement, c'est parce que celle-ci mérite d'infinis égards que la responsabilité, souffrant d'anachronisme et d'ambiguïté, ne saurait être un concept approprié pour traiter de notre lien au passé. De plus, si responsabilité il y a, ce n'est pas au peuple, mais bien à l'État qu'il incombe d'en payer le tribut et les dégâts. Car État et peuple sont deux choses différentes. L'un est intemporel et ne souffre pas de l'épreuve du temps, l'autre sans cesse se renouvelle par la mue de ses descendances. C'est à ce titre que l'État belge présenta ses excuses aux métis spoliés de la colonisation. C'est à ce titre qu'un an plus tard, 5 d'entre elles la signèrent pour demander réparation. Elle ne s'adressait pas à vous. Elle ne s'adressait pas au peuple. Quand l'histoire amène ses factures, à l'État de poser sa signature. Mais j'entends les objections à mon discours, Josué. Si la responsabilité ne saurait convenir pour lier un peuple à son histoire, sommes-nous condamnés à ignorer notre passé, à sombrer dans la différence et verser dans l'incrédulité ? Bien sûr que non. Mais la responsabilité, comme je viens de vous le montrer, est un concept bien trop ambigu. L'extrême droite l'a d'ailleurs bien compris, jouant allègrement dessus, tuant dans l'œuf tous les débats relatifs à nos statuts. Pour qu'une société puisse avancer, elle doit pouvoir se regarder en face, savoir où elle a précédemment chuté, pour éviter les prochaines crevasses. Et c'est là, mes amis, le rôle du devoir de mémoire, qui diffère de la responsabilité à bien des égards, en ce qu'il permet au peuple de regarder à leur passé, sans souffrir du blâme ou de la culpabilité. Mais il me faut maintenant être très clair. Je ne suis ni le chèque en blanc du négationnisme, ni la caution noire des mauvaises consciences. Et à l'outrecuidance du cynisme, je substitue la mémoire, l'écoute et la bienveillance. Peuple que nous sommes, l'avenir nous ouvre son chemin. Et si celui du passé sur nos chevilles s'est refermé, avec lui furent scellées les condamnations de nos anciens. Vous l'aurez compris, je refuse d'être accablant pour mes contemporains innocents, dont les mains, je le crois, furent épargnées par le sang. Et si vos estomacs, pour l'heure, sont encore un peu lourds,
puissent vos âmes maintenant être plus apaisées par mon discours. Je vous remercie. Une troisième joute et un troisième thème. On ne peut plus actuel. Sommes-nous responsables en tant que peuple de notre histoire? Et amoureux justement de l'histoire, à la fois Josué et Aslam en ont tiré des conclusions complètement différentes. D'un côté, l'histoire, il faut en répondre, pas en être coupable, mais l'assumer et s'appuyer dessus pour graver celle que nos générations futures pourront regarder et lire. De l'autre côté, il ne s'agit pas tellement d'une histoire à assumer, mais d'un devoir de mémoire, et qui est très très différent de la culpabilité qu'on associe à la responsabilité. Qui de Josué ou Aslam va convaincre le public par ses propos, par le fond comme par la forme? Eh bien, nous allons y réfléchir. N'hésitez pas à commenter sur la page. Le jury se retirera tout à l'heure pour en discuter. Et entre-temps, nous passons à la quatrième joute. Cette quatrième joute nous parle de quelque chose qui habite nos vies depuis tout petit. À la télévision, dans les livres, dans les bandes dessinées, on nous parle de héros. Et ces héros, on nous invite à nous identifier à eux. On nous invite à les mettre dans nos vies, à en faire des exemples à suivre. Mais la question se pose, ces héros sont-ils lucides? Ce modèle qu'on nous invite à suivre, est-ce que c'est un modèle de lucidité? Pour défendre l'affirmative, nous aurons Samir. Samir qui est un jouteur d'une grande sensibilité et qui est un jouteur qui a un énorme imaginaire. Samir qui a l'habitude d'emmener son monde, de nous faire rêver et qui va nous emmener dans cette position positive. Oui, les héros sont lucides. En face de Samir, nous aurons Safa. Safa qui est à la fois élégante, pétillante et qui sait amener dans la légèreté de ses idées la profondeur de position à défendre. Safa, elle s'opposera à la lucidité des héros. Décalant le regard, elle va nous inviter à nous méfier de ces messages qui pourtant nous habitent depuis l'enfance. Alors qui de Samir et de Safa va vous convaincre ce soir? Avant de les écouter, comme d'habitude, une petite vidéo avec des mots que nous les avons invités à placer et que vous êtes invités à découvrir, Samir et Safa. Samir, 5 lettres comme les 5 sens, comme plein de choses. Hermione, sans Hermione, ils sont rien. Son père était un héros, le grand, le vaillant, sans Goku. Goku, 100%. Rhétorique, parce que ça s'apprend. Et l'éloquence, ça ne s'apprend pas, donc rhétorique. Huis clos, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que Corona. Préparé, comme cette vidéo. Pathos, toujours le cœur, jamais le gosse. Kerry James, parce que je joute à ventre ouvert. Manga, c'est la littérature du 21e siècle. J'ai dévoré bon nombre de BD, d'animés, de jeux vidéo, en espérant au fond être plus tard cet homme araignée ou encore ce super guerrier. Et c'était plausible, je n'avais pas encore l'âge de la révélation, seulement celui des boutons. Combien de nuits à attendre que se révèlent enfin nos super pouvoirs enfouis, ou que l'on apprend qu'on est le fils d'une famille noble d'extraterrestres invincibles. Derrière l'attente fébrile de l'adolescent, on décèle la peur des changements que notre corps nous impose. La déferlante des idées noires. C'est dans cette transition entre l'adulte et l'enfant qu'apparaissent les super-pouvoirs. Nécessaires, parce que les histoires racontent toutes la même chose, la difficulté de grandir, le passage de l'innocence à la réalité. Prenons Peter Parker. Pour devenir le héros qu'il est, il ne s'est pas contenté de suivre son instinct. Il lui fallut également canaliser son impulsivité. Par exemple, pour rejoindre les Avengers, Tony Stark demandera à son petit protégé de faire ses preuves, de calmer ses ardeurs.
d'analyser avant d'agir et d'observer avant de se jeter tête la première du haut de l'Empire State Building. Finalement, on se fiche des gadgets de Batman ou de la mutation de Spider-Man. Ce ne sont que des avatars qui servent à outiller leur lucidité. Ces super-héros cachent leur véritable identité, ayant déjà compris que les feux des projecteurs aveuglent et gonflent la poitrine. Encore une preuve de leur lucidité. Plus fort, que sont les Avengers si ce n'est un rassemblement de super-pouvoirs, super-héros, super-costumes ? Ils sont organisés, formés pour combattre le mal. Quelle meilleure preuve de lucidité que d'avoir compris qu'ensemble on est plus fort. Aussi lucide qu'un Belge, l'union fait la force. Les héros sont lucides parce qu'ils agissent. Leurs actions ne sont pas dictées aléatoirement, mais par un but recherché, un cap qu'ils maintiennent. Leurs peurs ne les freinent pas et ne les guident pas. Bien au contraire, ils les dépassent. Je n'aurais pas pu avoir meilleur exemple que cette pandémie pour vous illustrer notre rapport aux héros et surtout à quel point ils sont présents dans notre quotidien. Si la figure héroïque est la bravoure, le courage ou encore le fait de dépasser ses peurs, de tels héros qui ont gardé leur lucidité, il y en a plein. Ils sont du quotidien et n'ont pas de super pouvoir. Mais dans cette crise, par contre, nous avons été super hystériques. Au cinéma, du temps où nous pouvions s'y nicher, je voyais les nouveaux héros défiler sur mon écran. Maintenant, j'ai vu tant de visages à la une des articles, comme si c'était la nouvelle affiche du prochain Marvel. Mais avant même que le film ne sorte, les caméras ont braqué d'autres idoles. Pendant des semaines, agglutinés sur nos balcons, nous avons acclamé des travailleurs, nous avons peint leurs visages sur les murs, nous les avons flattés sur les réseaux sociaux et nous avons été jusqu'à faire de leur combat notre indignation du mois. Pendant que nous avions peur de sortir le bout de notre nez dehors, les éboueurs ont continué à les sentir nos déchets, comme ils l'ont fait avant et ils continueront de le faire après. Pendant que nous passions du salon au lit à la fenêtre, les livreurs parcouraient les kilomètres, comme ils l'ont fait avant, comme ils continueront de le faire après. D'ailleurs, c'est tout de même étrange, comme les applaudissements de 20 heures ont de plus en plus ressemblé à une liesse et de moins en moins de la gratitude. La foule est folle et vacille si vite. Diagnostic ? Délire collectif. Nous avons une consommation du héros proche d'un héroïnomane. Nous sommes constamment à la recherche d'un exemple, d'un modèle à suivre. En attendant la venue du Messie, on patiente et on enchaîne les figures héroïques. On a même plus le temps d'ériger une plaque commémorative que le héros du jour disparaît dans une plaque tournante. On déniche, on découvre, on partage, on s'exalte, on admire, on érige, on relie, on décortique, on manque, on lapide, on flagelle. On déboulonne. Ce ne sont pas les héros qui manquent de lucidité. C'est nous. Ils n'ont fait que suivre leur chemin. Et nous, nous précipitons pour construire un hôtel sur chacun de leurs pas, en attendant qu'un autre passant devienne le nouvel élu. Cette éphémérité est la preuve que nous manquons de lucidité. Parmi ces petits héros en devenir, permettez-moi de vous en présenter un. Moi. Mais je ne suis pas seul. J'ai avec moi ma peur qui me suit depuis les premiers tours. Elle est à mes côtés, guettant la moindre occasion de m'arrêter net comme figée. Je l'ai souvent écoutée, mais ce soir je l'ai apprivoisée. La lucidité a gagné. La lucidité m'a gagné, même si ça fait mal, même si cela implique que je vois les choses telles qu'elles sont et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Maintenant, je sais ce que je veux, c'est de dire au monde que je suis là, avec la devise du plus ultra, celle d'aller au-delà de ses limites, peu importe le nombre de versions que j'ai jetées aux oubliettes. L'idée est de travailler mes textes, de les recommencer encore et encore jusqu'à être le plus authentique possible. Accepter le pas après pas. Je veux être le héros principal de mon livre, écrire ma propre légende.
celui d'un garçon, le fils d'un herboriste et d'une femme au foyer. Pas de super pouvoir, juste une volonté trempée dans de l'adamantium. Comme tout héros, j'ai mes proches qui me regardent, mes compagnons, mon mentor. Et je ne suis pas certain qu'ils soient lucides de me considérer comme tel. Néanmoins, leur confiance m'encourage et me donne des ailes. L'hiver est passé. La longue nuit est achevée. Et avant qu'il ne soit jeté aux oubliettes, laissez-moi vous présenter le nouveau héros, Samir Snow! Bonjour, je m'appelle Safa et je suis étudiante à l'ULB. Depuis toute petite, j'ai deux grandes passions dans la vie, la lecture et l'écriture. Plus je lis, plus j'ai envie d'écrire. Plus j'écris, plus j'ai envie de lire. Un matin, je me suis dit, pourquoi ne pas donner une voix à mes mots? Pourquoi ne pas me challenger, aller plus loin, me découvrir? Le concours est le Kantien, l'aventure est le Kantien. C'est alors imposé comme une évidence à mes yeux. Direct, les gars. Bah, du coup, je recommence. Hein. Désolée. Faites comme si vous n'avez pas entendu une première fois. Docteur Bounamar, enchanté. En temps normal, c'est moi qui reçois en consultation, mais la situation aujourd'hui exige que je fasse une exception. J'ai eu vent qu'on avait tenté d'attribuer à mes patients une caractéristique des plus honorables, certes, mais qui est totalement aux antipodes de ce qu'ils sont réellement. Et croyez-moi, j'en connais un rayon. La lucidité ne peut faire partie de leur qualité, même s'ils en possèdent des milliers. Et par bien des exemples, je pourrais vous les prouver. Mais d'abord, laissez-moi vous les présenter. Lorsque le soleil appelle la lune, que la pénombre s'abat, souvent, vous vous tournez vers eux. Ils peuvent être personnages principaux de vos histoires, personnes aux super pouvoirs. D'ailleurs, sans ces super pouvoirs, je les ferais certainement tous internés. Normalement, je devrais garder le secret médical, mais à quoi bon? Vous connaissez déjà tous l'histoire. J'ai reçu un patient, et pas des moindres. Petit, il a perdu ses parents devant lui. Suite à ça, je lui diagnostique un trouble de stress post-traumatique qui lui fera faire des choses bien étranges. Il s'enferme dans une caverne pendant des mois, et un jour, bim, il en ressort, armé d'un altruisme sans faille et d'un costume ridicule de chauve-souris. Vous avez deviné? Eh oui, c'est Batman. Soyons honnêtes, si on enlève le côté glamour de la Batmobile, son histoire a quelque chose d'un déséquilibré, ou en tout cas une histoire d'une personne qui manque sacrément de lucidité. Si on s'intéresse un peu à l'étymologie du mot héros, alors ils sont des demi-dieux, rien que ça. Fantasmes des mortels, héritants de la fougue et de la passion des cieux, justes, puissants, vengeurs, grands, aimants, parfois même pardonneurs, hommes ou femmes de grande valeur. D'ailleurs, dans la catégorie mythologie, j'ai reçu Hercule. Héros d'une extrême force, certes, il m'a conté pendant des heures ses 12 travaux, ses caprices, ses folies meurtrières, ses bains de sang et ses dizaines de guerres. À ses yeux, tout ça était justifié. Lucide, vous dites? Loin de toute mythologie, mes patients peuvent être aussi personnages principaux de vos vies. Un être sans aucune fantaisie. Un père, une mère, une femme, un mari, ou peut-être juste votre canari. L'attachement qu'ils vous portent les rend incapables des plus grandes folies. L'amour leur ferme la porte de la lucidité pour en ouvrir des milliers d'autres. Qu'est-ce qu'un éclair de lucidité face à des tonnerres d'amour? S'il faut être aveuglé pour être le héros de l'être aimé, alors ils abandonnent la lucidité bien volontiers. Non, les héros ne sont pas lucides. Ils sont impulsifs. Peut-être parfois un peu naïf. Souvenez-vous de cet enfant qui a été sauvé d'une terrible chute par Mamadou Gassama, un Malien sans papier errant dans les rues de Paris.
S'il possédait un brin de lucidité, il n'aurait pas risqué sa vie, escaladé un building pour sauver un bébé. Quoique, ça lui a valu la Légion d'honneur et la fameuse carte d'identité tant espérée, ce bout de plastique bleu qu'il me brandissait fièrement à chaque consultation. Il aurait dû peut-être partir plus tôt à la quête du bébé tombé de là-haut, au lieu de faire la file pendant des heures devant l'office des étrangers. Surtout qu'entre vous et moi, son tour ne serait quand même jamais arrivé. Mais ça, je ne lui ai pas dit. Je lui ai juste prescrit un somnifère, quelques antidépresseurs à l'époque, et le tour était joué. Mais depuis qu'il est français, tout va mieux. Il semblerait que Macron soit meilleur thérapeute que moi. Des dizaines de migrants ont défilé dans mon cabinet, chacun d'eux portant l'espoir de leurs parents. Héros d'un village tout entier, bien souvent. Ils prennent des risques, bravent des dangers, traversent frontières et mers dans l'espoir d'une vie meilleure pour eux et pour ceux qu'ils aiment. Et comme si ce n'était pas déjà assez, une fois l'Eldorado atteint, la terre promise foulée, c'est leurs espoirs qui se tordent, leurs visions qui se brisent, et c'est la désillusion. Regardons autour de nous. Serions-nous capables d'être ces héros, de tout abandonner? Serions-nous capables de prendre la barque avec comme seul gilet de sauvetage le poids des attentes de tout un village? Serions-nous capables de nous séparer de ce que nous connaissons avec comme seule arme les souvenirs de ceux que nous aimons? Il suffit d'une goutte de lucidité pour être noyé par les milliers de raisons qui nous empêcheraient de prendre une si grande décision. Certains me diront que mes patients ont raison, à défaut d'avoir la raison. Certains me diront qu'être héros, c'est redonner sens à son existence, c'est avoir le courage d'accepter une quête, quels que soient les dangers, et que pour ça, il va falloir se libérer de tout maillon de lucidité. Les héros ne sont pas lucides, et fort heureusement. Finalement, je leur enverrai presque ce grain de folie, cette fougue, cette envie, ce courage qui n'élimine pas la peur, mais qui anime quelque chose de plus fort encore. La lucidité nous empêche d'agir à des moments où nos actions auraient pu faire la différence. Je ne juge ni ne blâme personne, ni vous, ni moi. On a besoin de ces héros qui manquent de lucidité, comme on a besoin de personnes raisonnées. Je ne me permettrai jamais d'affirmer qu'une condition est meilleure qu'une autre, parce que nos histoires et nos blessures sont différentes, parce que les goûts et les couleurs, au même titre que les coups et les douleurs, ne se discutent pas. Les héros ne sont pas lucides. Et pour vous le prouver encore une fois, j'aimerais faire honneur à mon adversaire, aujourd'hui partenaire de Shitzen, Samir, presque aussi fan d'Harry Potter que moi, en citant une phrase de J.K. Rowling. Parfois, il nous arrive de toucher la vie des gens rien qu'en existant. Vous voyez, bien souvent, on n'en est même pas conscient. Et c'est ce manque de lucidité face à sa condition qui fait du héros ce qu'il est. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, que d'héroïsme dans ces deux joutes. Samir comme Safa, vous m'avez été mes héros, chacun à votre manière. D'un côté, cette manière de voir que les héros sont ce qu'on en fait et que finalement ce n'est jamais que d'être le héros de sa propre légende qu'il faut chercher. Samir qui en plus l'a fait avec énormément d'intensité, énormément d'émotion, ça m'a complètement bouleversé. De l'autre côté, avec beaucoup plus de légèreté, Safa nous a fait la psychanalyse de ceux que l'on met sur un piédestal. Elle nous a montré toute leur humanité. Elle nous a montré aussi que ce n'est probablement pas dans la lucidité que se prennent forcément les meilleures décisions. Cher jury, la question se pose donc à vous, du héros Samir ou de l'héroïne Safa, qui vous a le plus convaincu, ou évidemment par rapport à tous les autres. Cher public, n'oubliez pas de continuer à mettre vos commentaires sur cette quatrième joute, de continuer à poser vos questions et éventuellement aussi d'anticiper les questions qui se poseront dans notre dernière joute de ce soir. Car cette joute, elle est probablement positionnée sur la question.
celle de la religion. La religion, on peut y croire ou pas, on peut croire d'ailleurs en dehors de la religion, mais aussi, et certainement très souvent dans l'histoire, la religion peut nous faire peur. Ce qui nous amène d'ailleurs à cette citation célèbre qui est le sujet de cette dernière joute, de ce dernier débat. La religion est-elle l'opium du peuple ? Alors normalement, nous avions deux candidats pour en débattre. L'un des deux, Gauthier, du fait du confinement, du fait du report de ce quart de finale, n'a malheureusement pas pu être de nôtre. Et donc, pour relever le défi de la question, nous aurons une seule position, défendue par Thomas. Oui, la religion est l'opium du peuple. Et Thomas, pour la défendre, va mobiliser ses belles qualités que nous avons déjà pu constater lors des trois premiers tours. Car Thomas, c'est quelqu'un qui sait regarder derrière les choses. Lorsqu'il vous regarde, on a l'impression qu'il voit votre dos en même temps que votre visage. Il sait regarder derrière les idées. Et il a aussi cette capacité à s'envoler, à être convaincant, tout en étant simple et pertinent. Alors, une première vidéo, comme les autres, composée de toute une série de mots à placer, 30 secondes pour que vous les découvriez. Et puis, Thomas, sur cette question, la religion est-elle l'opium du peuple ? Que dire en ces 30 secondes qui constituent l'incipit de ma prestation ? Tout d'abord, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans, j'étudie à l'Athénée Absil. Je vous épargne les descriptions soporifiques et vais plutôt me décrire en mots-clés divers et variés. Souriant, dernière minute, retard, bouton snooze, distraction, joie, bon public, Starbucks, Breaking Bad, gentillesse, enfin je crois, bordélique. Je connais Eloquentia et les ambassadeurs depuis bientôt 9 mois. Et pour moi, ça a été une explosion d'émotions, de rencontres et de bienveillance. Bon, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'avait rien à dire. Il était une fois un petit garçon qui était effrayé par l'obscurité. Être dans le noir était pour lui tout bonnement insupportable. À ce jeune enfant, on plaça sur sa table de nuit une petite lumière censée le rassurer. Promesse tenue, les nuits suivantes, il dormit sur ses deux oreilles. La lampe avait rendu supportable l'insupportable. Les nuits passèrent, puis des semaines, puis des mois, et nous voilà 3 ans plus tard, et le jeune bambin dort toujours avec une veilleuse. Et oui, la lampe avait certes rendu supportable l'insupportable, mais elle l'empêchait de combattre cette peur, de mener la révolution contre elle. Il en était devenu dépendant. Dans Le Capital, Karl Marx soutenait que la religion est l'opium du peuple. Nous pouvons nous interroger sur ce que cette affirmation a à nous enseigner sur notre époque et surtout si celle-ci n'en est pas devenue dévolue, désuète. L'esprit et le cœur ouvert, j'affirme que oui, la religion est bien l'opium du peuple. Une religion possède un nombre conséquent de similitudes avec une drogue et surtout les comportements qui en découlent. La transmission d'une religion se fait de propagateur à particulier, de dealer à consommateur. Elle peut être bien ou mal utilisée, peut causer des conflits entre les nations ou au sein de la famille. Certains en abusent et en font une overdose, synonyme du fanatisme religieux. Elle peut être importée, trafiquée, coupée, transformée, corrompue, relaxante, motivante, rassurante, addictive, angoissante. Certains changent même leurs habitudes de vie et leur comportement lorsque celle-ci entre dans leur vie. En y réfléchissant, nombreux sont les points communs partagés par la religion et la drogue. Et d'ailleurs, les comparer n'a rien de dénigrant ou de dévalorisant. Le mot « drogue » est péjoratif, alors qu'à la base, il ne signifie qu'un produit qui change un état d'esprit, qui change un comportement. N'est-ce pas là le propre d'une religion ? La civilisation grecque des temps anciens a créé le terme « pharmakon », qui me plaît particulièrement. Un mot dont la signification voulait dire à la fois le poison et le remède. Ils avaient compris que derrière certains poisons se cache un médicament et derrière certains médicaments se cache un produit toxique. Médicament pour le corps, médicament pour l'esprit, poison pour la chair, poison pour l'âme. L'utilisation, le dosage, fait que la dangerosité d'une telle pratique n'est pas un état de fait, mais un choix. L'opium a deux facettes, deux fonctions. C'est un pharmacone,
Un pharmacone qui endort la douleur, mais qui, mal utilisé, endort également l'esprit, l'action. Et la religion n'est pas si différente. Nous vivons dans une société que l'on pourrait qualifier d'inégalitaire, et ce ne sont certainement pas Ruslan et Soraya qui me contrediront. Certains souffrent donc de l'inégalité. Personne, ici ou ailleurs, n'osera nier cela. L'inégalité est donc la douleur de la société, et c'est là qu'arrive un antidouleur très puissant qui, en promettant une vie éternelle, va non seulement rendre supportable l'insupportable, mais va aussi anesthésier toute action de révolte. Nombreux sont les exemples au cours de l'histoire où la religion a davantage servi d'instrument de pouvoir que de culte servant l'union. Lorsque je cite le commerce des indulgences et autres abus de l'obscurantisme, difficile de ne pas voir les chefs religieux et les fidèles comme les dealers et les toxicomanes de la spiritualité, à des époques où le dogme avait pris une ampleur telle qu'elle endormait le libre arbitre. Certains crieront « exception ». Je leur réponds « première signification ». Première signification du mot « pharmacone ». Si bien utilisé et correctement dosé, la religion comme l'opium en devient un formidable médicament qui nous guérit contre certaines douleurs telles que la peur de s'éteindre. Et oui, lorsque l'on a peur de la mort, la religion est l'opium qui nous guérit d'une blessure grandissante à mesure que nous grandissons. Osons aller plus loin. Cet extraordinaire remède ne se contente pas de soigner, il apporte. En réunissant, formant des liens, poussant à réfléchir et à créer, en donnant une raison à l'homme de croire que la vie n'est peut-être pas seulement un fruit du hasard. Au départ, la religion et l'opium du peuple a été prononcée dans le but de réveiller les populations, de les pousser à se révolter. Elle avait évidemment une connotation négative, Karl Marx voyant à l'époque la religion comme la conséquence d'une société malade, comme un médicament administré de manière abusive. Mais il est intéressant de constater qu'une telle phrase, un tel appel à la révolution, une telle dénonciation, peut être pris avec plus de douceur et s'avérer vrai, et même décrivant quelque chose de positif. L'opium, qui à l'époque, par facilité d'esprit, portait l'étiquette de l'écran de fumée occultant la vérité, se révèle avoir deux facettes, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. À l'instar de la petite lampe sur la table de chevet d'un enfant effrayé par le noir, la religion est à la fois le poison et le remède. Et vous, quelle dose prendrez-vous? Je vous remercie. Et oui, l'opium donc, peut-être n'est pas si négatif que ça. En tout cas, il a deux facettes. L'une pour nous endormir, l'une pour voir les choses de manière autre, décalée, et la religion aussi, en tout cas selon Thomas, qui peut être à la fois oppressante, politique, mais qui peut aussi être spirituelle et décalante, être libérante. Cher jury, je vous invite à y réfléchir, et j'aimerais bien, là, pour le coup, être avec vous. Et d'ailleurs, c'était la dernière prestation de cette belle soirée qui va vous permettre de vous retirer, qui va vous permettre de réfléchir à tous ces arguments délivrés par Thomas, par Safa, par Samir, par Aslam, par Josué, par Ounaïs, par Élise, par Ruslan et par Soraya. Qui de ces 9 jouteurs sera dans les 6 à retenir? Eh bien, évidemment, nous allons nous retenir notre souffle et nous ne voudrions certainement pas être à votre place. En attendant que le jury se retire, avec du coup Laurence Bibot, avec Gilles Dalle, avec Ilias Métioui, avec Fatima Zibou et avec John Pitsais, nous allons prendre un certain temps pour prendre vos questions, pour écouter vos commentaires et pour permettre à nos concurrents d'y répondre. Pour cela, nous allons retrouver la candidate et lauréate de l'édition 2018 d'Eloquentia Bruxelles. Nous allons retrouver Imane qui est en backstage avec les différents candidats et qui va leur poser les questions. Alors, avant de retrouver Imane en backstage, et Imane, prépare-toi, encore quelques mots à dire sur les partenaires de cette grande soirée et de ce projet Eloquentia. Le premier partenaire, c'est celui qui nous accueille ici, dans ce beau bâtiment de la Maison de la Francité. La Maison de la Francité qui est donc le porteur du projet
qui est cet endroit au service de la langue française et donc forcément aussi de la prise de parole des jeunes. La Maison de la Francité, qui est donc un des trois partenaires et le premier de ce beau projet Eloquentia Bruxelles. Le second partenaire dont je vais vous parler, eh bien ce second partenaire, c'est ULB Engagé, qui est donc une émanation de l'Université libre de Bruxelles, qui a été construite pour promouvoir et encourager les projets de solidarité, les projets citoyens. Et donc ULB Engagé aurait dû, enfin l'ULB aurait dû nous recevoir ce soir si le Covid nous l'avait permis, ou plutôt si le Covid n'avait pas été là. À la place, nous avons eu la possibilité de faire ce très très beau live. L'ULB Engagé qui aussi, parmi d'autres choses, s'appuie sur le fonds Stéphane Hessel, qui est un fonds qui permet d'encourager les projets de jeunes étudiants de l'ULB qui sont précisément dirigés vers des causes solidaires et citoyennes. Alors, chers auditeurs, si vous êtes jeunes, si vous êtes à l'ULB, si vous avez un projet à proposer, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous manifester et éventuellement profiter de ce fonds Stéphane Hessel. Mais nous retrouvons là maintenant cette soirée. Nous avons une vingtaine de minutes. Nous allons droit en backstage dans le bureau des ambassadeurs d'expression citoyenne et nous y retrouvons Iman, la lauréate de l'édition 2018. Remorquable, en quelques mots, c'est une association de prêts de remorques à vélo et de vélos aussi, qu'on propose contre une cotisation annuelle ou mensuelle, l'accès à tout un lot de remorques sur base d'une réservation qui se fait sur un site en ligne et puis les personnes peuvent venir après les chercher ici sur le parking sécurisé de l'ULB. Le frigo partagé, c'est un local en fait, avec plein de frigos et des armoires. On va chercher des invendus dans les magasins, on les ramène ici et on les distribue donc le lendemain à qui veut. On prend deux fruits, deux légumes, un plat préparé, une viande, voilà. Le projet Antostoria a débuté il y a quelques mois. Le sujet des mutilations génitales féminines nous a particulièrement touchés et sensibilisés. On a vraiment essayé que ce soit interactif et assez ludique aussi. Le GAMS nous a donné énormément de témoignages qu'ils avaient été recueillir dans certains pays du monde. La bourse SL nous a permis d'avoir une impulsion positive, déjà de s'engager dans un projet citoyen. Notre objectif final est de permettre au MGF d'être intégré dans les programmes de cours, c'est-à-dire de développer la sensibilisation au sein des programmes. Ce que la bourse SL nous a apporté, c'est principalement deux choses. Surtout, on a pu investir dans des nouveaux frigos et congélateurs. On a aussi pu investir dans des bacs isothermes pour transporter de la viande et des plats préparés qui sont plus précieux des supermarchés jusqu'ici. L'existence de la bourse Stéphane Hessel nous a permis d'embrayer sur cette idée de favoriser la mobilité active. En un mot, pour nous, ce serait une opportunité. S'il fallait décrire ce que la bourse Hessel a permis au projet Antostoria A Flower Story, très simplement, ce serait l'ouverture des possibles. La bourse Hessel, en un mot, c'est la concrétisation de notre projet. Tous impatients de connaître les résultats, et pourtant nous allons encore devoir patienter quelques instants. Nous avons la chance de pouvoir interviewer quelques candidats. Nous allons commencer par Élise, qui, je le rappelle, a défendu le sujet suivant. L'amour court-il les rues ? Comment te sens-tu, Élise ? Un peu stressée, mais très contente d'être là. Très bien. Eh bien, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce que le concours t'a apporté ? Beaucoup d'amour. Non, plus sérieusement, trop de choses pour pouvoir en parler plus sérieusement ici. D'accord. Eh bien, j'ai entendu dire que tu étais la plus jeune candidate. Je me trompe ? Non. D'accord. Eh bien, je voudrais savoir comment tu as fait pour t'imposer face à ces candidats qui sont un peu plus âgés que toi, il me semble. J'ai eu un peu de mal, mais j'ai essayé de rester moi-même et de donner tout ce que j'avais. Très bien. Eh bien, j'espère que tout se passera bien pour toi. Je vais passer à la personne suivante. Merci pour tes petits conseils. Aslam.
Nous avons tous hâte de te poser quelques questions. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, les internautes sont très curieux de savoir comment ton métier t'a aidé dans la rédaction de ton sujet. Ben, c'est simple. C'est vrai qu'être prof d'histoire, quand on traite un thème sur l'histoire, ça facilite énormément. Donc, à force d'enseigner, ben, tu as des anecdotes à raconter également en joute. Et comment faut-il dire ? Faut-il dire la vérité ou sa vérité ? Les deux se rejoignent à mon sens. Et je pense que même si on a différentes vérités, on peut toutes les dire. Merci beaucoup pour ta réaction. Passons ensuite à Samir. Samir qui, je le rappelle, a défendu le sujet. Il est pour l'instant absent, mais ce n'est pas grave. Nous allons directement passer au prochain candidat. Ounaïs, nous attendons avec impatience. Alors Ounaïs, je le rappelle, il a défendu la négative dans le sujet « L'amour court-il les rues ?» Il était donc contre Élise. Alors Ounaïs, en quoi l'éloquence est-elle importante pour toi ? Alors l'éloquence pour moi c'est une façon d'imager et peut-être même de rendre pédagogique une forme de sentiment. Et puis c'est aussi une forme de sortir de sa zone de confort et de confronter du coup, en fait c'est un bel exercice pour essayer d'exprimer des sentiments que l'on ressent en plus profond de soi. Et comment tu fais pour rédiger tes textes en slam ? Je me suis toujours posé la question parce que ce n'est pas du tout mon style de prédilection. Alors, la vérité, c'est que j'ai beaucoup été inspiré par les rap battles. Et du coup, à force d'en regarder, j'ai toujours cherché en fait, à aller vers le clash presque. Et du coup, c'est comme ça que les rimes sont apparues. Et puis, en fait, j'essaye d'adoucir l'ensemble des rimes pour essayer d'avoir de plus belles images pour que ça donne quelque chose d'harmonieux face aux candidats. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton parcours si tu le souhaites. Comment es-tu arrivé dans ce concours ? Il me semble que tu n'as pas fait les masterclass, du coup comment as-tu fait ? Alors, j'étais à la recherche d'un concours d'éloquence et la veille, avant la fin des inscriptions pour Éloquentia Bruxelles, j'ai tapé sur Google simplement, concours d'éloquence Belgique et je me suis rendu compte que la date finale était genre un mercredi alors que moi je m'étais inscrit le mardi. Et d'ailleurs, je me souviens que dans les façons de comment on était tombé sur le site, il y avait par exemple les réseaux sociaux, etc. Et moi, j'avais écrit le destin, parce que c'était vraiment le hasard, quoi. Donc, voilà. Eh bien, nous espérons que tu continueras à écrire. Et à très bientôt. Alors, est-ce que Samir est revenu ? Oui, je l'aperçois à l'instant. Samir, nous t'attendons. Alors, Samir, je le répète, a défendu la positive dans la question suivante, les héros sont-ils lucides ? Exactement. Alors Samir, les internautes s'impatientent, ils se demandent quel est ton héros préféré ? Indéniablement, c'est Goku de Dragon Ball, et qui est Dragon Ball Z. Quoique Son Gohan aussi est pas mal, mais Goku. Et la lucidité, n'est-elle pas une lumière trop aveuglante ? Alors, rien n'est aussi aveuglant que le soleil. Donc quelque part, il faut prendre l'exemple le plus aveuglant. Donc la lucidité n'est jamais autant aveuglante que le soleil. Donc il faut être lucide, oui. Voilà. J'ai une question un peu plus particulière et un peu plus personnelle. Comment était ta coach ? Bah écoutez, ma coach était géniale. J'ai jamais vu une meilleure coach que Iman Awad, gagnante Éloquentia 2019, de premier du nom. Réellement, c'était sympa et elle ne m'a pas donné de chèque pour que je dise ça. Merci beaucoup Samir. Puisse le sort être favorable. Merci. Alors, notre prochain candidat est Josué. Je t'en prie Josué, installe-toi. Josué a défendu le sujet suivant, les peuples sont-ils responsables de leur histoire ? Il a défendu la négative. Alors Josué, est-ce que l'actualité d'aujourd'hui ou de toujours t'a poussé à choisir ce sujet ? Pour faire l'histoire un peu courte. Quand on a reçu les sujets et que j'avais vu ce sujet-là, il m'avait vraiment directement touché en fait. Parce que je conçois ce concours comme une tribune politique pour faire porter la parole citoyenne. Et si Éloquentia n'est pas capable, pour des sujets pareils, aussi importants et aussi d'actualité, de faire donner sa voix à des jeunes, directement concernés par la question, alors ce concours n'aurait pas eu de sens pour moi. Et il en a eu ce soir. Donc je suis reconnaissant pour l'organisation. J'ai hâte de savoir les résultats, je suis impatiente de les connaître. En tout cas, merci pour ta franchise, Josué.
Nous allons passer à la personne suivante. Eh bien, la personne suivante n'est autre que le coach Pierre-Yves. Pierre-Yves qui a été mon coach l'année passée, durant la saison précédente. Eh bien, Pierre-Yves, j'ai une petite question pour toi. Quels sont les conseils clés que tu donnes aux candidats pour parler avec éloquence ? Alors, Imane, déjà, je dois meubler apparemment la conversation. Et donc, je tiens à dire que je ne suis pas seul coach. Nous sommes plusieurs coachs, une belle équipe de coachs, une équipe de formation implacable, des super-héros, lucides ou non, mais nous sommes là, présents tous les jours pour vous. Donc, il y a quand même Monia, il y a Simon, Renaud, Alice, mais également Olenka, et je tiens à les saluer ce soir. Les conseils clés, il y en a plusieurs, et je pense que je vais un peu paraphraser Samir ce soir qui a dit « je gratte, je réécris mes textes en quête d'authenticité ». Ce qu'on dit toujours aux candidats que je vois là en backstage, c'est leur dire « soyez vous-même ». Ça paraît cliché, mais à un moment, il faut juste rester soi-même avec son individualité, ses potentialités, ses fragilités et ses points forts, et essayer juste de convaincre. Et pour être convaincant, il faut être convaincu. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre la congruence et être éloquent comme ils l'ont été ce soir et elles l'ont été ce soir. As-tu un candidat préféré ? Joker. D'accord. Eh bien, qu'en as-tu pensé des prestations ce soir ? Alors, je tiens à dire déjà, il y a une progression incroyable. Quand on voit par rapport au premier week-end, il faut savoir qu'au premier week-end, on les rencontre le vendredi soir. On leur donne un exercice un peu d'improvisation et de mise à nu. Et on les découvre, on se dit, OK, il y a des diamants bruts, il va falloir cultiver, outiller. Et au bout de deux week-ends déjà, pardonnez-moi l'expression, on est sur le cul. C'est peu éloquent, mais on est vraiment sur le cul. Et ce soir, vraiment, ils ont été toutes et tous merveilleux, incroyables. Dans leur style, il y a eu du slam, il y a eu du théâtral, mais pas trop. Et ils ont été très, très authentiques et vrais. Et donc, il faut dire que ce que j'ai pensé, c'est cette évolution qui fait croire, et c'est tous les jours, on le dit, les jeunes ne sont pas juste les citoyens de demain, ils sont les citoyens d'aujourd'hui. Et il faut leur laisser la place, il faut leur donner vos chapitres pour qu'ils puissent s'exprimer dans l'espace public. Merci beaucoup pour ton intervention, Pierre-Yves. Nous allons passer au dernier candidat. Je t'invite, Thomas, un petit oubli. Installe-toi, je t'en prie. Oui, bien sûr, ici. Alors Thomas, les internautes se posent cette question. Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu n'avais pas de discours contraire face à toi ? La première chose que je me suis dit, c'est c'est le hasard. Enfin, c'est juste, j'ai pas d'adversaire. Et puis, on m'avait toujours expliqué qu'éloquentia, c'est pas forcément le pour ou le contre qui est sélectionné, c'est pas comme ça qu'on choisit. Donc je me suis dit, ça changera rien, c'est juste, il n'y aura pas d'adversaire. Donc voilà, c'est pas de réaction particulière. D'accord. Les internautes se demandent également, comment fais-tu pour discuter de sujets qui, de prime abord, ne te concernent pas, ou qui, de prime abord, ne sont pas tes réelles positions ? Alors, ce que je commence par faire, c'est faire beaucoup de recherches pour bien comprendre, déjà comprendre les mots de la question, parce que c'est le piège facile. Et puis, beaucoup de recherches, beaucoup de discussions, parce qu'on a des formateurs extraordinaires, des ambassadeurs extraordinaires, avec qui on peut vraiment parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, y compris les sujets. Et donc, c'est comme ça que le cheminement français se fait. Et puis, à un moment, on se met devant une table et on écrit. Je me suis toujours demandé, comment arrives-tu à interpréter de cette manière tes textes ? On dirait un magicien qui prononce des formules magiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Si, ça l'est. Mais il y a le théâtre déjà qui m'aide un peu, j'en fais depuis quelques années. Et puis sinon, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens plutôt bien à parler, je ne suis pas trop timide, donc c'est ça qui m'aide. Merci beaucoup Thomas pour ta prestation, pour ton intervention, excusez-moi. J'espère que tu seras pris, tout comme les autres candidats. Nous allons bientôt passer aux résultats. Bruno va vers une petite intervention, excusez-moi du petit souci technique. Non, c'est toi qui dois m'interviewer, Iman. Ah, très bien, je ne le savais pas. On essaye d'improviser. Eh bien, Bruno, qu'as-tu à nous raconter ? Ah, moi, j'ai passé un très, très beau début de soirée. C'était vraiment très, très bien. C'était aussi une expérience pour moi parce que jouer cette présentation dans ce qui est une émission de télévision, alors que d'habitude, Eloquentia, c'est un show sur scène où il y a beaucoup plus de battements. Mais surtout, je trouve que les candidats ont été au rendez-vous. J'aime bien dire que le quart de finale, c'est le meilleur moment parce que c'est là où on a que des bons jouteurs et on en a beaucoup.
Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment eu beaucoup d'arguments, beaucoup de pétillance, beaucoup de courage aussi, parce que Ounaïs nous a montré à quel point il s'était relevé dignement. Et moi, j'étais très triste parce que je l'avais entendu avant. Du coup, cher public, vraiment, j'aurais voulu que vous puissiez profiter de sa prestation à sa juste valeur. Cela dit, il nous a montré comment on pouvait se relever dignement. Et ça, c'est aussi un enseignement que j'ai apprécié. Et puis alors, oui, il a vraiment... Samir, Safa, Thomas et tous les autres ont été convaincants. D'ailleurs, ça m'a donné à certains moments des souvenirs de tes prestations à toi, Imane, qui étaient extrêmement belles l'année passée. Je trouve que cette deuxième saison d'Eloquentia Bruxelles est en train de nous rappeler et de nous faire revivre aussi ces éléments-là. Et ce que j'espère, c'est que ces jeunes qui ont jouté ce soir, tous les autres qu'on n'a pas pu voir parce qu'ils ont été éliminés avant, il y avait beaucoup de qualité dans les premiers tours, ben, ils utiliseront ce talent-là pour s'impliquer, pour porter la voix des jeunes ailleurs dans la société. Et c'est aussi pour ça qu'Eloquentia existe, c'est pour aider les jeunes, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur profil, à prendre leur place, à apprendre à le faire avec originalité. Ce soir, c'était une belle démonstration de ça. J'espère que le jury aussi va pouvoir faire les bons choix, qu'on ne maudira pas trop après. Donc ça, je sais que tu sais ce que c'est. Oui, bien sûr. Donc voilà, et puis vous qui êtes dans le public, derrière vos écrans, sachez que le chat n'est pas fini. Et donc c'est le moment de commenter, c'est le moment de dire ce que vous avez aimé, des arguments qui vous ont touché. N'hésitez pas à partager parce qu'on ne peut pas le vivre sur scène avec vous, mais vous pouvez le faire vivre sur les écrans, dans les chats. Ça fait pas aussi partie de ça le projet de cette soirée. Merci beaucoup Bruno pour ton intervention. Merci. Nous allons maintenant interviewer une personne de qualité. Tout comme Bruno, évidemment. Monia, je t'invite sur scène. Imane, on va changer un peu les règles, si tu veux bien. Tu as fait ça avec beaucoup de talent. Maintenant, c'est moi qui t'interroge. Ça te va ? Bien sûr. Non, mais c'est quand même extraordinaire. On est à la deuxième édition d'Eloquentia et tu es notre première gagnante. Après avoir gagné, après avoir joué les jurys, après avoir joué vraiment les coachs auprès de certains candidats, mais au service de tous, après avoir aidé les plus jeunes quand tu es venue témoigner de ton expérience dans les écoles, maintenant, je suis hyper fière de pouvoir annoncer à tout le monde ton nouveau rôle. Tu veux en parler ? Eh bien, on m'a annoncé il y a quelques jours que je serai la nouvelle coprésidente. L'émotion me prend. Je vais assister le rôle de présidente. Tu peux terminer, l'émotion me prend. Donc, Imane a été choisie pour être la nouvelle coprésidente pour la troisième édition. Et on est vraiment très fiers de ce choix. Parce qu'elle a été choisie non pas seulement parce qu'elle avait gagné, mais parce que c'est une battante et qu'elle incarne complètement toutes les valeurs du concours. Elle sera juste à côté d'Amine. Et ils vont pouvoir à deux continuer à porter ces valeurs-là. On est très fiers de ce choix, Imane. Et là encore ce soir, c'est ta première interview et tu fais ça avec tellement d'amour et de sincérité. C'est très bien. Moi, je voudrais juste te poser une question aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gagnants ? Ça, c'est la première question et tu te doutes, je suppose, de la deuxième. Mais qu'est-ce que tu diras aux gagnants ? Donc, pas aux gagnants du quart, pas aux gagnants de la demi, mais à celui qui gagnera jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de lui conseiller ? J'aurais juste envie de lui dire de profiter pleinement de cette expérience parce qu'on devient très vite nostalgique de ces débats, de ces petites réunions le tard le soir où on commence à discuter de nos sujets, où on s'entraide mutuellement. Et tout cela me manque beaucoup. C'est pour ça que tu restes un peu finalement encore. C'est pour ça que je m'y accroche et m'y accroche encore. Je trouve que c'est important de dire aussi aux gens qui nous écoutent que Eloquentia, ce n'est pas vraiment un concours, au fait. C'est au-delà d'un concours, c'est une rencontre. Et si vous pouviez voir les fenêtres de ce bureau, elles sont remplies de post-it parce que les jeunes travaillent ici tard le soir. Ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Il y a toute une méthodologie pour réfléchir à un sujet. Quand vous êtes là, vous avez 17 à 25 ans et qu'on vous dit « Vous allez travailler sur l'amour, court-il les rues ?» Vous réfléchissez d'abord à « c'est quoi l'amour ?» Ok, la rue a quel sens ? Quelle est la figure de cette phrase-là ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Vous pouvez être aidé par différents coachs, mais d'abord, vous allez chercher l'inspiration auprès de vos proches, auprès de vos familles. Et puis surtout, vous essayez de garder votre identité dans vos textes. Et ça, c'est très important. C'est un peu ce que tu as fait. Est-ce que tu peux juste nous raconter ton meilleur souvenir de ton édition à toi ? Mon meilleur souvenir, il y en a plein. Mais je peux par contre expliquer mon pire souvenir. Ça, oui, ça, je ne l'oublierai jamais. Tu vas faire écho avec quelqu'un ici. Oui, malheureusement. Mais en tout cas, je vais d'abord expliquer mon souvenir avant de passer à la suite. Eh bien, j'étais en demi-finale contre Amine dans le sujet « Faut-il se taire ?» Et je défendais l'affirmative et
Nous arrivons à la toute fin. J'avais plus ou moins géré mon texte, ma prestation. Et puis, j'ai eu un oubli. Et je n'avais pas mes feuilles à côté de moi. Du coup, le souffle était coupé. Au début, on pensait que cela faisait partie de la prestation, étant donné que je défendais l'affirmative dans « Faut-il se taire ?». Et puis, on a compris petit à petit qu'il y avait un petit couac. Et du coup, je me suis reculée petit à petit pour me raccrocher à mes feuilles. J'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai terminé ma prestation. Apparemment, ça ne m'a pas coûté la place, étant donné que j'ai finalement pu gagner le concours Eloquentia 2019. Mais je me suis sentie très seule pendant quelques instants. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as gagné ? Qu'est-ce que t'ont dit les jurys ? Tu te rappelles ? Oui. Oui, je m'en rappelle. Simon, notamment, m'a dit que ce qui avait fait que j'avais gagné, c'était ma force de me relever malgré le fait que j'ai en quelque sorte trébuché. Et ils ont admiré ça et ils m'ont dit que je méritais ma place en finale. Et tu la méritais. Merci. Je pense qu'il y a encore un dernier super coach très particulier à interviewer. Enfin, il y en a même encore deux. Mais il y a d'abord un homme, la virilité incarnée. Vraiment, l'élégance incarnée. C'est du dentelle avec lui, c'est de la dentelle, c'est de la finesse, c'est du petit lait. Vraiment, c'est... Quand il parle, j'ai des frissons dans les bras sur les bras parce que je me dis, mais... Oh, autant de précision, c'est juste un bonheur. Simon, c'est pas l'humour noir, non, c'est pas le dégueulasse, c'est pas le trash, c'est vraiment... Et en fait, il rend vraiment les lettres de noblesse à la poésie. Vraiment, Simon, c'est pour toi. Amen. Merci beaucoup, Monia. Installe-toi, Simon, nous avons tant de questions à te poser. On a compris que c'est foutu de ma gueule, tout le monde l'a compris, ça. Donc, moi, j'aimerais juste dire un mot. Ça fait 2 ans que je suis Eloquentia et je trouve que c'est une magnifique aventure. Mais magnifique aventure parce qu'il y a ce côté hétéroclite. Quand je suis arrivé, ce qui m'a impressionné, je connaissais Eloquentia Paris. Eloquentia Paris s'adresse au départ à des jeunes de banlieue. Ce que je trouve magnifique dans Eloquentia Bruxelles, c'est que ça s'adresse à des jeunes de tout type, de tous bords, de tous les horizons, sociaux, culturels, différents. Et ça marche. J'ai fait 2 week-ends avec les jeunes d'Eloquentia, où on les a formés. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont tous soudés. On a des gens qui viennent de milieux plutôt favorisés, des gens de milieux plutôt défavorisés, des gens de telle obédience, de telle autre obédience. Et la sauce, elle prend. Ça marche. Tous ces jeunes se soutiennent les uns les autres. Je vous assure, pour avoir été dans les coulisses pendant tout ce concours, à chaque fois que quelqu'un passait, tous les autres applaudissaient. À chaque fois que quelqu'un trébuchait, tous les autres trébuchaient avec lui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'Eloquentia, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Et c'est une famille dans les participants, entre eux, on le sent. C'est une famille entre les formateurs, les coachs, entre nous, on le sent. Je trouve que c'est un parcours extraordinaire. Et je suis fier de faire partie de ça, de faire partie de ça. Vraiment. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Merci beaucoup, Simon, pour ce touchant commentaire. Et nous aimerions poser d'autres questions à Alice. Du coup, merci beaucoup, mais je voudrais que tu cèdes ta place, s'il te plaît, à Alice. Alice, qui est justement l'inverse de moi, qui est tout dans le côté trash. Alice, elle peut vous sortir une horreur, une blague dégueulasse, mais avec son petit air, je n'y touche pas. Il faut céder la place, Simon. Alice, elle est comme ça. Elle dit des horreurs, mais avec une élégance qui nous permet d'apprécier cette horreur. Et vous allez le voir maintenant, elle va être énorme. Merci Simon, merci. Alice, eh bien avec tous ces beaux commentaires, nous t'accueillons à bras ouverts, Alice. Merci beaucoup. Samir, eh bien, la coach qui est en moi ne cesse de surgir. Eh bien Alice, j'ai une petite question pour toi. Comment se sont déroulés tes coachs personnels? Mes coachings? Coaching personnel, pardon, avec les candidats, bien entendu. Je vais quand même rapidement revenir sur ma description avant de répondre à ta question, si bien tu sûr. Veux bien. Parce que je pense que vous avez bien vu que ça ne me correspond pas tout à fait. À quelques nuances près. Quelques nuances près. Et que j'apprécie ce petit point de vengeance qui n'est même pas personnel, que Simon a reçu et qui essaye de redonner sur moi, mais ça ne prend pas.
Donc, comment j'ai vécu les coachs pour cette session Cette édition et ainsi que l'année précédente. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Là, c'était une nouvelle forme de participation que j'ai eue à Eloquentia. L'année passée, c'était plus en tant que jury. Et cette année, j'étais formatrice, donc je ne pouvais plus être jury. Et donc, j'ai vraiment pu donner des aspects du métier de logopède, parce que c'est mon métier. Et j'ai vraiment aimé pouvoir voir qu'avec l'entraînement, sur un très très court terme, parce que d'habitude, je vois des personnes pendant longtemps, pendant plusieurs séances. Et là, sur un très court terme, ils se sont dépassés. Je les ai coachés à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Et j'ai vu les résultats du travail accompli avec beaucoup d'entre eux. Et donc, je suis vraiment, vraiment très contente et très heureuse de voir ce dépassement. C'est ça aussi que je veux dire. C'est que Eloquentia, c'est d'abord le dépassement de soi et le fait d'apprendre. Peu importe le concours, oui, ça motive certains, ça fait qu'il y a un dépassement de soi, mais c'est aussi la participation et le fait d'apprendre, de progresser ensemble. Et c'est ça. Ah, les petites folies d'Eloquentia, on s'en souvient. Eh bien, Alice, il me semble que tu présides une formation. Est-ce juste ? Oui, ça s'appelle Élocopédie. Et en quoi cela consiste ? C'est une formation à l'éloquence pour les jeunes qui bégaient. Donc ça s'est donné pour les 15-18 ans. Et pour les 13-18 ans, pardon, c'est l'émotion aussi. Je te comprends. et donc, on a fait ça avec Pierre-Yves et aussi avec Aslam, qui était candidat ce soir, qui m'a aidé beaucoup, énormément. Je pense que sans Aslam, ça aurait... Et Fatima, que vous n'avez pas vue ce soir, mais qui était présente dans les coachs toute la soirée. Et qui a fait le concours l'année passée aussi. Lors des quarts. Tout à fait. Et donc Aslam et Fatima avaient avoué, avaient dit qu'ils présentaient tous les deux un bégaiement, alors qu'ils étaient dans les phases finales du concours l'année passée. Et moi, j'avais trouvé ça absolument génial parce que, connaissant beaucoup les jeunes qui bégaient, c'est important pour eux de savoir qu'on peut, même avec un bégaiement, se dépasser et réussir à gagner dans les phases finales d'un concours d'éloquence qui n'est pas que réservé à des personnes qui bégaient. Et donc je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de m'aider à organiser cette formation. Et ils ont accepté et ils ont fait ça avec brio, avec l'élan, la joie, la motivation qu'ils connaissent bien grâce à l'association Les Ambassadeurs. Et c'était vraiment une superbe expérience. Donc. Merci Alice. Nous espérons vraiment que cette formation va se réitérer la prochaine fois. Merci Alice. Merci à vous. Eh bien, il me semble, si ma mémoire est bonne, que les résultats vont être présentés juste après une petite présentation des ambassadeurs. Eh bien, les ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est une ASBL qui a été créée il y a maintenant 3 ans. Cette ASBL a 3 objectifs principaux. La première a trait à la prise de parole en public chez les jeunes. Eh bien, on va les former, on va leur donner des formations à la rhétorique ou encore au théâtre pour qu'ils puissent s'exprimer plus aisément en public. Ensuite, il y a un deuxième pan chez les ambassadeurs. Celui-ci consiste en la prise de parole chez les jeunes devant les médias. Et donc, ils vont être invités dans des plateaux télévisés où vont pouvoir défendre leurs valeurs et leurs idées. Et enfin, le dernier pan des ambassadeurs consiste à aider les jeunes en décrochage scolaire. On va essayer de les réconcilier avec l'école. Voilà, c'était une présentation très brève, mais nous allons vous lancer une petite vidéo qui a été faite durant le confinement. J'espère qu'elle vous plaira. Quand nos libertés sont suspendues, quand le temps devient lent, élastique, décomposé,
notre relation aux autres est recomposée. Quand nos rendez-vous ne sont pas ceux qu'on avait imaginés. Quand notre confiance en la vie est interrogée. Au-delà des événements, notre voix n'est pas confinée. Alors en attendant de pouvoir joindre la parole au geste, affûtons nos mots, armons nos phrases de tendresse, de passion et de volonté d'action. À nous de jouer. Ce qui va se passer, eh bien, nos 9 candidats vont bientôt avoir la réponse du jury, car le jury s'est retiré, le jury a réfléchi, il a délibéré, et maintenant, il est prêt à nous donner les résultats, mais aussi les commentaires sur, les commentaires évidemment probablement trop courts, mais sur cette belle soirée que nous avons vécue. Et donc, je vais passer la parole, mais sans attendre, à John, je pense, en tant que président du jury. Je ne sais pas ce que vous avez décidé. Pour nous transmettre à la fois le fruit de vos réflexions et votre décision. Bruno, d'abord, est-ce que ce micro fonctionne? Ok. L'idée est-elle d'abord de donner les résultats ou de d'abord dire quelques mots des différents candidats? Non, je pense que vous pouvez commencer par dire quelques mots de chacun des candidats. C'est probablement plus opportun comme ça. Nos oreilles seront tout ouïes, on pourra profiter des qualités de chacun. Et après ça, vous aurez la douloureuse mission de les départager. Mais donc, avant la douleur, le plaisir. Donc, ce que je propose, c'est de faire un petit tour des différents membres du jury. Nous avons eu à cœur de prendre quelques mots, de dire quelques mots pour chacun d'entre nous, deux candidats. Je terminerai en parlant d'un candidat en particulier, parce que nous sommes 9 à la place d'être 10. Je propose de faire un petit tour du jury, alors peut-être de commencer par Fatima. Voilà. Bien, merci. Merci John, merci pour tout, à tous les candidats. Donc moi je vais parler de la performance de Unaïs. Alors tu as commencé en chantant, donc on a été pris dans ce chant et tu as clôturé en chantant, donc ce qui était assez original et courageux. Alors on a senti quelques bugs, mais en même temps on a vraiment apprécié la façon dont tu as relevé, donc tu as vraiment masqué ce stress et tu as pu vraiment rebondir avec brio et on t'en félicite. Bravo pour la musicalité, les jeux de mots. Alors grâce à toi, on sait qu'on n'a que 5% de chances de trouver l'amour dans la rue. Le lien avec l'actualité était très fort, notamment la référence à Adil, à George Floyd, la mort dans la rue, qui fait écho au thème qui est l'amour dans la rue. C'était vraiment très bien. Et donc, bravo pour cette performance. Je vais aussi parler de Samir. Alors Samir, mis à part le fait qu'entre Booba et Damso, tu as choisi Kery James, et sur ce point, on est d'accord. Tu t'es bien exprimé, une bonne posture, aussi ce lien avec l'actualité, avec ces héros du quotidien. Et alors, tu as surtout fait aussi référence à l'actualité avec ces jeux de mots, notamment des boulons, c'était quand même pas mal trouvé. Et alors, tu as surtout donné un message qui est très fort et un message qui est adressé à tous les jeunes qui nous écoutent. Avec ce thème, les héros sont-ils lucides? Tu as dit, je veux être le héros de ma propre histoire, pas de propre pouvoir. Et ça, quel beau message pour la jeunesse. Merci, Samir.
Bonjour, on dit souvent que je ne suis pas très gentille, mais je vais être super gentille parce que j'ai la chance d'avoir deux personnes talentueuses. Enfin, vous êtes tous talentueux, mais les deux dont je vais parler, j'ai que des choses sympas à dire. Donc, Thomas, je relis mes notes et j'ai mis diction OK, articulation OK, argumentation OK. Donc, voilà. Et j'ai juste mis dommage qu'ils ne connaissent pas par cœur. Donc, tu es prêt de connaître par cœur, me semble-t-il, mais parfois tu te reposais sur tes notes. Et je pense que tu aurais eu un peu plus confiance en la connaissance, parce que je pense que tu connaissais, que tu nous aurais encore plus eu. Voilà, c'est juste un truc technique. Mais sinon, la construction et l'argumentaire étaient super. Et le deuxième candidat, c'est Aslam. Et donc là, je vais relire mes notes. Et j'ai mis fond super, argument super, construction super. Donc, quand même, pour être un peu constructive, la seule remarque que j'ai, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on vous a fait travailler. Et c'est évidemment normal qu'on vous fasse travailler, qu'on vous encadre, qu'on vous donne des trucs. Et parfois, ils sont un peu plaqués. Et parfois, on a envie d'avoir peut-être quelque chose de plus simple et plus fluide. C'est, de nouveau, c'est du détail, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je pense que c'est vers la fin, où tu nous montres le bas, le haut, où c'est un peu descriptif. Et je pense que ça peut être plus simple. C'est bien qu'on vous l'ait indiqué, et puis c'est bien, peut-être, à un moment donné, de vous reposer sur vous, de vous reposer sur votre gestuelle et votre nature, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Force s'emparer de toi quand tu commences à t'exprimer, ce qui est quand même excellent pour quelqu'un qui... C'est un peu la définition du charisme, d'ailleurs. C'est comme si une force sortait de toi. Et la forme est très originale. J'ai beaucoup aimé également cette interaction que tu as demandé, qui est tout à fait inattendue et très rare, pour ainsi dire, inexistant, d'habitude dans les concours d'éloquence. Et c'est vrai que comme là, il y avait la possibilité d'ouvrir des tas de voix, c'était très très bien. C'est aussi un style musical, physique, très physique, et aussi des astuces linguistiques qui étaient très bien et qui faisaient sens. Parce que souvent, dans les astuces linguistiques, c'est un petit peu limité, c'est la blague pour la blague. Là, ce n'était pas des blagues. Sans, comme tu dis, par exemple, semblant, tout ça, ce sont des astuces qui ont du sens. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une pirouette ou une virtuosité, c'est une virtuosité, mais qui a aussi une signification. Pareil pour pas semblable, assemblable. Voilà. Et donc, ce style de fable était tout à fait original. Donc, félicitations. Et je vais également parler d'Élise. Élise, donc, c'est un style que j'ai beaucoup apprécié, très pétillant, très vivant, hein, un petit peu viscéral comme ça. On sentait que c'était très réfléchi, mais ce n'était pas que cérébral, que ça venait vraiment de ta nature profonde. J'ai beaucoup aimé également la façon de parler de l'amour d'une façon totalement improbable, de manier le paradoxe mais de façon constructive, de ne pas choquer pour choquer, hein, mais de notamment dire que l'amour n'est pas unique. En général, quand on dit ça, c'est une banalité. En fait, la façon dont tu l'as dit n'était pas du tout banale, c'est-à-dire que tu as abordé la question de l'amour d'une... Ah, je crois que mon micro... Et la phrase « je sais qu'il m'aime, je vois qu'il l'aime », qui est une très très belle phrase, je trouve, une phrase de romancier, hein, qui résume très très bien la complexité de l'âme humaine, que tu as très bien rendu. Donc il y a aussi de l'humour improbable, et je voulais enfin rendre hommage à cette belle formule « manger du quinoa en écoutant du Wagner », qui est également, je trouve, une formule d'écrivain. Donc je te félicite également. Elias, derrière toi. Bravo à tous, déjà. C'était très beau de vous voir, de voir tout le travail qu'il y a derrière, ça se sent tout de suite. Et voilà, moi aussi, je me dis, j'aurais... dans l'ensemble, aimer encore vous voir plus vous, qui ils sont, pourquoi, de vous comprendre un peu, de sentir l'être humain. On sent que des fois, dans le travail, on peut perdre des fois la pulsion première de quand on a écrit, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont très bien écrits, et on sent qu'à force de les répéter, de jouer sur les effets, on s'est peut-être un peu perdu des fois dans les effets. Je pense qu'il faut savoir trouver l'équilibre entre le travail pour gagner de la technique, améliorer la façon dont on va le dire et protéger la pulsion de base. Ça, c'est un peu le conseil que j'aimerais vous donner à tous. Bon, j'étais censé aussi parler de Élise, du coup je vais rebondir et je vais parler parce qu'on a dû aller très vite avant. Alors non, mais t'inquiète,
Alors, pas de souci. Alors, Safa, félicitations. Moi, quand j'ai vu la vidéo, et puis que je t'ai vu arriver, j'ai vu deux personnes différentes. J'ai vu quelqu'un qui était très à l'aise sur scène, ça m'a fait très plaisir. Je trouve que c'était très clair ce que tu disais. C'est amené d'une façon assez originale. Voilà, je trouve que tu as une belle présence, clairement. Et voilà, j'avais des questions un peu sur le fond, de comment amener les choses, de quelles questions est-ce que ça amène. J'avais l'impression que avec cette question-ci, on aurait pu poser des questions qui font un peu plus trembler, c'est vrai, mais en même temps, je t'ai vraiment suivi, et surtout, je trouve que j'avais envie d'en entendre plus encore, et j'ai pas vu le temps passer. Et je parlerai aussi de Josué, ok. Mes notes. Voilà. Ouais, alors je trouve que Josué, tu as une facilité sur scène, tu as quelque chose qui te vient tout seul. Pour moi, il y a dans l'écriture, ça m'a intéressé. Je pense qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a. J'aimerais bien relire le texte d'ailleurs. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le fond qui est vraiment bien écrit. J'ai des questions sur. Des fois sur les effets d'interprétation particulièrement. Je pense que. En fait, à force de trop les appuyer, des fois, je me perds un peu dans ces effets-là. Moi, ça serait vraiment le conseil que je te donnerais, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple qui permettrait de beaucoup plus entendre ton texte. Et voilà, ça, c'est un peu la chose. Mais je suis sorti d'ici avec l'envie de lire ce texte ou alors de t'entendre le dire plus simplement. Il y a un truc comme ça où les effets ont peut-être des fois m'ont fait un peu perdre le fil, mais de manière générale, je pense que investir le fond, le protéger, c'est quand même la base, parce que oui, parler, c'est essentiel, c'est une arme incroyable, mais si on parle, c'est quand même pour communiquer aussi une pulsion première, et que celle-là, il faut la défendre. Et juste, je sais que je n'étais pas censé parler de toi, mais Ounaïs aussi, parce que je connais les trous de mémoire, j'ai déjà été sur scène, j'en ai déjà eu des terribles, et du coup, je voulais te dire, j'ai vraiment l'impression qu'il arrive à un endroit, ton trou de mémoire ici, où tu dois être fier de toi, dans le sens où c'est justement parce que tu étais en train de passer des étapes. Des fois, quand on travaille et qu'on atteint un stade où on commence à dépasser la technique, on est dans le rapport juste, et c'est justement parce qu'on a bien, bien travaillé et qu'on est juste... C'est comme une marche qu'on doit passer. Et j'ai l'impression que tu étais juste à cette marche-là. Et c'est pas de bol, ça fait mal. Mais il faut vraiment pas lâcher là-dessus, justement, au contraire. C'est parce que tu as bien bossé, tu es en train de passer une marche, tu es en train de passer de la marche de « j'ai plus besoin de mon texte, je n'ai plus besoin d'y penser, il y a des belles choses qui se... » développe dans cet endroit-là des très très belles choses, et on les a vues dès que tu es monté sur scène, une présence, un charisme incroyable, et voilà, et c'est vraiment une étape de travail, et ça prouve que tu as bossé, et ça se voit, ça se sent, quoi. Voilà. Grand merci, Ilias. Moi, je veux dire quelques mots de l'exposé de Ruslan, et puis deux, trois petits mots rapides, généraux, peut-être, s'appliquant, j'espère, à la plupart des exposés. Alors, Ruslan, il y a un aspect un peu tuto dans ce que tu as fait, mais dans le bon sens, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, mais écoutez, de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire un exposé qui tient la route, qui passe la rampe? Regardez, prenez le premier exposé, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'il y a de la présence, ça marche bien parce qu'il y a du calme, ça marche bien parce qu'il y a de la maîtrise de la respiration, ça marche bien parce qu'il y a toujours un travail préliminaire de définition qui aurait pu être mené de manière encore plus précise, je crois. Il y a une progression qui est soignée, il y a une problématisation aussi de l'argument, c'est-à-dire qu'un argument ne vaut que s'il a des ennemis à sa mesure, et donc il faut toujours trouver les arguments les plus apparemment efficaces pour pouvoir les renverser ensuite, et c'est ce que tu as fait. Et enfin, il y a aussi une chose que j'apprécie particulièrement, c'est une fin en sous-ton, c'est-à-dire que souvent on dégaine les citations graisseuses et les envolées lyriques, et tu as choisi plutôt de terminer sur un registre plus intime, plus doux. Et en fait, ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien. Alors par contre, peut-être deux petits points d'attention. C'est d'abord veiller peut-être à défendre le point de vue qui est censé être défendu. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'exposé, je ne savais pas très bien si tu défendais plutôt l'égalité ou plutôt la méritocratie. Et la méritocratie peut être égalitaire sur certains aspects, mais peut être aussi assez inégalitaire sur d'autres aspects. Et donc parfois, je me suis dit, mais quel point de vue défend-il, le brigand? Je ne sais pas très bien. Et alors j'en viens un peu à une remarque générale sur la plupart de vos exposés. Il ne faut pas confondre les mots et les arguments. Et je crois que les exposés, les morceaux d'exposés que j'ai particulièrement appréciés, ce sont des exposés qui contiennent des arguments.
des exposés qui font qu'à la fin, on est d'accord avec vous, ou qu'on a envie d'être d'accord, et que dans le pire ou dans le meilleur des cas, on a envie de discuter avec vous. Et des arguments, ce n'est pas la même chose que des mots. Et parfois, vous vous faites piéger par les mots. Vous avez envie de rajouter des jeux de mots sur des jeux de mots, des allitérations sur des allitérations, des jeux sur des jeux. Et en fait, le problème, c'est que parfois, on ne vous comprend plus. Ça, c'est le pire. C'est quand on ne comprend pas le sens de l'exposé, qu'on ne sait même pas si on est d'accord ou pas d'accord avec vous. Et donc, c'est peut-être une petite recommandation. Lisez-vous et dites-vous, quel est le but ? Est-ce que le but est de me faire plaisir à moi ? Ou est-ce que le but est de partager une histoire avec ceux qui m'écoutent ? Si la réponse est « je me fais plaisir à moi », c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est que vous devez communiquer des choses à ceux à qui vous vous adressez. Et à cet égard, moi, il y a une chose, on en parlait, il y a une chose que je ne supporte pas d'habitude, ce sont les citations, parce que pour moi, ce sont des béquilles. Je voulais quand même souligner l'exercice très délicat auquel s'est livré Thomas. Quand vous utilisez des citations, il faut qu'elles aient du sens. Pour qu'elles aient du sens, il faut qu'elles mènent à un argument. Et pour que cet argument intéresse, il faut qu'il mène à un point de vue. Et ce n'est pas évident d'utiliser en effet des citations de telle sorte à ce qu'elles mènent à un point de vue et pas seulement à une sorte d'exercice rhétorique ou d'exercice d'érudition. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un exercice qui a été bien mené. Et je vous invite, quand vous utilisez, quand vous recourez aux citations, à vous dire, mais justement, à quoi sert cette citation ? Et où est-ce qu'elle me mène ? Où est-ce qu'elle me mène ? Voilà. Je vous remercie en tout cas tous. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était brillant, vraiment brillant. Vraiment brillant et pas facile parce que vous n'avez pas de public, parce que la technique n'est pas facile, parce que la voix n'est pas facile, parce que c'est le passage devant un public n'est pas facile. Donc vraiment, chapeau, mille fois chapeau, c'est épatant. Cela dit, c'est donc le moment. Le moment de passer à la décision. C'est vrai que moi j'aimerais aussi que nous sortions avec 9 gagnants. Mais les règles ne sont pas celles-là. Alors, nous avons décidé de... Ben, ça ressemble au pire des programmes de télé-réalité, mais c'est ainsi. Donc, nous avons décidé de garder... Hein, c'est ça la méritocratie, ou je ne sais pas très bien. Donc, nous avons décidé, dans le désordre, de garder Élise, Soraya, Ruslan, Aslam, Samir et Thomas. Voilà. Et donc, félicitations aussi à Josué, à Ounaïs et à Safa. Félicitations à vous trois qui n'auraient pas la possibilité. Et puis évidemment, Eloquentia, c'est une grande famille. C'est aussi un sens de l'amitié. Et l'objectif, c'est qu'à chaque tour, eh bien, ceux qui doivent quitter le bateau rejoignent celui du public. Du coup, j'espère que dans le public, tous ceux qui ont fait les 2-3 premiers tours eh bien, étaient présents et ont apprécié. Je vous souhaite vraiment de continuer à vous exprimer. C'est le moment de remercier ceux qui ont rendu cette soirée possible. Parce que Eloquentia, nous avons cité la Maison de la Francité qui nous a accueillis, l'ULB Engagé, qui est porteur du projet avec aussi les ambassadeurs d'expression citoyenne. Il nous faut remercier aussi BX1, qui est un partenaire et qui le sera jusqu'au bout de cette aventure, l'Académie Royale des Beaux-Arts, le Forum des Jeunes, le Centre Vidéo de Bruxelles, ULB Culture, le Cinéma des Galeries, qui est là depuis le tout début, La Libre, l'Institut de Communication du Barreau de Bruxelles et la Ville de Bruxelles. Merci à tous ces partenaires. Véritablement, sans leur aide, ce genre de soirée ne serait pas possible. Et pour terminer cette soirée, évidemment, c'est important aussi de remercier toutes les personnes à la coordination, au coaching, à la préparation, à la formation, les enseignants qui étaient là au début. Vraiment. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce genre de soirée est le fruit de la collaboration de tellement de personnes, de tellement d'horizons différents. Alors, pour continuer, on vous donne rendez-vous. C'est un rendez-vous dans pas longtemps, dans une semaine exactement. C'est aussi en Facebook Live. Et on vous espère encore plus nombreux pour la demi-finale. Ce sera donc mardi prochain à 20h. À très bientôt.